Bonjour. Ça marche bien. Alors, bienvenue dans ce live Dead by Daylight, où on va jouer à Dead by Daylight MDR de rire. C'est trop marrant comme blague. Bonne nouvelle. J'ai fini de recoller les morceaux de la VOD de hier, le 50e live. Du coup, il y aura les 9 minutes qui ont été coupées. Alors, la mauvaise là-dedans, c'est que le moment où je dis en fait, de toute façon, comme tous les lives. Vu que c'est 50e live, c'est un live qui me tient à cœur, vous allez voir un problème technique. Ce moment-là a été coupé, ça me saoule. En fait, je commence à dire la phrase, pff, ça coupe. Ah putain, j'aurais bien aimé que ce soit, que ce qu'on entende dans le live, ça. Les gens vont dire, t'as inventé MDR, je t'invente des vies MDR. Parce que les gens sont des gros FDP. Enfin bref. On va couper Discord, couper la musique, parce qu'avant on a coupé la musique avant de lancer le jeu et vous avez vu ce que ça a fait. Mais je pense que c'est pas lié, hein, c'est juste parce que c'était vraiment. Je pense qu'il n'y a aucune raison que c'est coupé à la dernière fois. Alors, j'ai revu la game Pyramided d'hier, c'est à chialer de rire. Franchement, j'en parlais même aux camarades d'ours, j'hésite même à la monter exceptionnellement. Je suis jamais de montage, juste monter la partie avec Pyramided en fait. Parce qu'elle est quand même assez shiny. Ne nous mentons pas. Tac, tac, tac. DBD. D'ailleurs, je suis con. J'ai mis un truc pour qu'il détecte les perks avec lesquels je joue, mais comme un connard, je l'ai. J'ai pas réglé ma cam comme il fallait. Du coup, vous voyez pas les percs. Vous avez pas le son, hein? Ou si? Parce que moi, non. Oh, c'est ma vie, je m'en lasserai jamais, je crois. Je suis tellement amoureux. Regardez, c'est vraiment toute l'ambiance. Ils ont vraiment retranscrit toute l'ambiance du film Ring, quoi. Mais il me semble que dans le remake américain, il y a aussi cette ambiance un peu pas si, pas sinistre, mais triste, quoi. Terrifiant, on n'était pas. Ringo, Spiral. Ça me fumera toujours de voir Spiral écrit. Koji Suzuki, hein, qui est l'auteur des livres. Des nouvelles, mais je sais pas c'est quoi la définition d'un novel en fait. Est-ce qu'un novel c'est une nouvelle? Est-ce que Ring est une nouvelle? Je pense pas. Ce serait ouf qu'en vrai Ring soit vraiment adapté d'une nouvelle. Non, je pense qu'on va vraiment pas d'un roman, moi. Enfin, d'une histoire qui avait l'air longue, quoi. Un peu technique. Pour le coup, le bouquin, j'aimerais bien le lire. Mais je suis sûr que je vais être déçu. Je crois que je suis très difficile en fait en livrant. Vu que tout ce que je trouve de la merde, les gens trouvent ça bien et qu'il n'y a pas beaucoup de livres que je trouve bien. Je me demande très honnêtement si je suis pas genre juste difficile en fait niveau littérature. Ouh! Il est 11h42 donc je vais probablement manger en live. Mais ne vous inquiétez pas, il reste mon sandwich d'hier. Et ne vous inquiétez pas, x2. J'ai défoncé ma dent du coup. Elle ne m'empêche plus de manger. J'ai encore des petits du coup quand je mange, je fais encore attention que je devrais pas. Encore une semaine! Oh non, vite! On fout, il y a deux. Les défis, les extraits et les points de sang du tome 10 resteront disponibles de manière permanente après cette date. Wesh, la street! Wesh, broken! Mais il me rapporte non plus tout ce fragment de la faille une fois
Attends, une fois le prochain tome lancé, le tome 10 Sword ne sera disponible dans le... D'ailleurs, je rappelle qu'on va peut-être faire du Pokémon Unite après. Du coup, si vous voulez me rejoindre, bah, il n'y a aucun problème. En contre, je préviens, on va faire au moins 2 heures de DBD. Hein. À moins que le jeu me pète vraiment les couilles avant, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois en live. Hein, que je dis, attendez, on va faire au moins 2 heures de ce jeu, et puis en fait, au bout de 30 minutes, le jeu m'est tellement gonflé qu'on est parti sur le jeu. Voilà. Mais rappelez-vous quand même, si vous avez perdu votre Switch ou qu'elle est chez votre daron, le jeu, vous pouvez jouer sur téléphone et avoir un compte partagé avec la Switch si vous avez un compte dresseur, je sais plus quoi. Oh, c'est des papillons qui sortent de l'urne. C'est un peu mignon du coup. Bon, je vois pas tueur, évidemment. Ouais, je te raconte ma vie, mais ça. PC est en sûr car je suis sur Crusader King 3. Il y a des croisades, il y a tellement de persos affichés à l'écran que le jeu rame de ouf. Oh putain, merde. Je m'en souviens, tu peux pas le chargeur MDR. Ah oui, c'est vrai. Mais sur téléphone, tu peux jouer. Crusader King, putain, ça me dit quelque chose. Il y avait un jeu, c'était. Non, je sais plus c'est quoi le nom. Enfin, Camarade Ours, pardon, qui m'avait montré. Camarade Ours qui m'avait montré. Et ce jeu avait l'air trop bien, quoi. Et ça se passait au Moyen-Âge, et ça avait l'air un gros délire. J'oublie toujours le nom de ce jeu, il me le dit tout le temps, il me le rappelle tout le temps, mais j'oublie tout le temps. Et tout sur. Ouais, pourquoi hier je vous ai dit que. On pouvait pas faire des survivants, c'est quoi? J'ai tout ça comme survivant que j'ai pas en fait. Il y en a plein en vrai des convoyeurs souvent que j'aimerais bien avoir. Il y en a une d'Elodie que j'aimerais bien avoir, c'est la compétence là de fouille. Car là aussi c'est au Moyen-Âge. Bah, un jeu qui s'appelle Crusader King, je suppose, ouais. D'ailleurs, Crusader King, c'est typiquement le nom de jeu, tu peux pas le traduire en français, parce que ça n'aurait aucun sens. Parce que Crusader King, ça voudrait dire croisé roi. Croisé roi 3. Il y a des jeux comme ça, tu traduis en français, ça fait con. Ou ça fait incohérent. Dead by Daylight, par exemple, ça fait con. Genre, meurt par la lumière du jour, les rois croisés. Ouais, mais non, ça serait The Crusader King. Je suis désolé, mais c'est faux, ça veut juste rien dire. C'est pas grave, il y a plein de jeux comme ça. Hein. Alors, Left 4 Dead, ça veut pas rien dire. C'est un jeu de mots, en fait. Moi, j'ai longtemps pas compris ce que voulait dire Left 4 Dead. Mais en fait, c'est un titre très intelligent. Parce qu'en fait, Left 4 Dead, ça veut dire laisser pour mort. Mais il y a un jeu de mots avec le 4, vu qu'on est 4 dans le jeu. Voilà. C'est plutôt rigolo. Oui, mais je suis d'accord. Waouh. C'est vrai qu'elle a un peu de jambe, Kate, comme ça. Par contre, comme ça, j'aime pas du tout. Alors, ce que Kate ressemble vraiment à une putain d'européenne sur tous ces putains de skins. Enfin, un cliché d'européen, excusez-moi. Mais alors, en fait, elle est américaine. Et texan, en plus, je crois. Donc, c'est genre. C'est n'importe quoi. Donc, je vous ai raconté que j'avais regardé les Oscars juste pour voir si Spider-Man allait recevoir un Oscar ou non. Genre, s'il avait reçu un Oscar, vous m'aurez entendu gueuler sur le Discord. Hein. J'ai vraiment souri les Oscars juste pour ça. Hein. C'est-à-dire que, juste après l'Oscar là du meilleur effet spécial que j'ai vu qu'il n'est pas passé, j'ai fait ok, cool, parfait. Parfait. Tout va bien. C'est européenne, américaine, c'est ça. C'est une touriste en fait. C'est une fucking touriste. Vous savez qu'il y a encore des gens qui pensent que y a des pharaons en Égypte. Ça me fait rire de le dire, mais ça existe. Hein. C'est pas une blague hein, ce que je vous raconte. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il y a encore des pharaons en Égypte. Non mais genre j'ai appris hier. Merde, j'ai appris ça comment hier? Je crois que c'est quand. Ah, je suis juste entre deux trucs. Du coup, je vais rien dire, mais. J'ai appris hier qu'il y avait des gens d'âge mature, avec un cerveau entièrement fait, qui ont eu des cours, qui ont été à l'école, qui pensent que Jules César, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, legit, tes arrière-grands-parents l'ont connu.
Après, 40% des ricains aux États-Unis pensent que les chocolatés viennent des vaches marrons. Après, vous savez, alors ça, vraie info, vous pouvez le trouver sur Internet très facilement pour le coup. Vraie info, quand il y a des tornades aux États-Unis, bah, la plupart des Américains tirent sur les tornades. Des gens ont demandé pourquoi. Alors, soit ils répondaient pour faire fuir la tornade, soit pour la faire disparaître, pour la tuer. Ils tirent dessus, ouais, MDR. Camarados m'a pas cru. Au début. Et du coup, résultat, les balles se font emporter par la tornade et sont renvoyées des fois sur des gens. Et du coup, des gens se retrouvent avec des blessures par balle. C'est pas une blague du tout, hein. Franchement, c'est pas des peuples à qui on interdisait la culture et l'éducation. Pour moi, les États-Unis, ce serait le peuple avec le plus de débiles mentaux, en fait, hein. Vraiment de plus de gros cons, en fait. Sauf quand je dis débiles mentaux, c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout une critique des handicaps psychologiques, hein, comme l'autisme et tout, hein. Les autistes ne sont pas des débiles mentaux pour moi, hein, par exemple. Débiles mentaux, c'est vraiment juste dire attardé, quoi. Après, quand tu vois leur président entre Joe Biden et Trump, putain. J'ai vu. Non, c'est elle. Attendez, je vais faire un truc de grosse pute. Je voulais taper dans le casier de Kate. Il est arrivé trop vite. T'as mon pote au final. Oh, j'allais dans ma cave pour me. Ah, bah, du coup, j'ai bien fait de faire ça. En fait, non, j'aurais dû. Pour me cacher une tornade, je me suis pris une balle. Probablement que le mec lui a répondu. Mais pourquoi tu t'es caché dans ta cave, espèce de lâche? Fais tirer dessus avec nous. Alors, The Blake commence bien sa game, hein. Il m'a mis à terre, il m'a directement envoyé à la cave, mais genre début de partie, et il a blessé Kate. Là, c'est longtemps qu'on a vu un Blight. Hein. Mais tu sais mec, il y a d'autres mecs que moi dans la partie en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il les voit pas. On est d'accord, on dirait qu'il les voit pas. C'est-à-dire qu'il est saoulé, j'adore Black quand il faut se gagner en mode. Non, mais les Américains sont vraiment cons, hein. C'était mon prof de sciences éco, de biologie éco, qui détestait les Américains. Enfin, la moyenne conne des Américains, plutôt, on va dire. À chaque fois, il nous balançait des anecdotes, des trivias sur pourquoi les Américains sont cons. Mais tu sentais la haine, hein, du mec, hein. C'était un mec ultra chill, mais alors quand il parle des États-Unis, t'as l'impression qu'il était au bout de sa vie, quoi. Parce que c'est un gars qui, à cause de son ancien travail, a déjà dû aller en fait aux États-Unis deux fois. Et il a jamais vu des mecs aussi cons en fait. Hein. C'est quoi son boulot? Je pourrais plus vous dire. C'était un espèce de mélange entre garde-chasse et chercheur en fait. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui là? Pardon. Genre, en gros, il surveillait des écosystèmes, voir si... bah, faire des recherches, en gros. Voir si tout allait bien. Une espèce de gros fils de pute! Bah, chercheur, mais en gros, il vérifie juste, genre, l'écosystème, si tout se passait bien et tout. Dans les zones, vous savez, qui sont fermées à la chasse et tout, en fait. Genre, les parcs protégés, tout ça. Putain, le bâtard, il veut juste que je le soigne, en fait. Hein. Il me faudrait trop la compétence de Jane aussi, là, qui fait que quand tu soignes quelqu'un, ça soigne aussi.
C'est super, je peux pas vous dire c'était quoi. Mais surveillez l'écosystème en gros. Les températures, genre les plantes, ça allait bien, les animaux, genre ils faisaient du repérage et tout. Et j'allais deux fois aux États-Unis pour faire ça. C'était. Oh putain, il nous a raconté des trucs. Je les ai raconté qu'il y avait un mec dans la. Du coup, il avait une maison forcément pour vivre là-bas. Il lui avait prêté une maison. Et il y avait un mec, son voisin, il passait ses journées, mais vraiment ses après-midi, à arroser sa bagnole. Je revis, tu sais, ça marche. Il dit, mais je crois. Il nous racontait, mais il bouffait, mais alors. Facile, une vingtaine de litres d'eau, ce bâtard. Hein. On a un truc de fou en hein, ce pays. Hein. Je sais pas qui c'est, il est revenu, putain. Puis avec Predatorian, on est pas dans la merde. Je regardais pas. Oh putain! Je quitte pas des yeux, je quitte pas des yeux, je quitte pas des yeux. Je quitte pas des yeux, je quitte pas des yeux, je quitte pas des yeux. Ça marche, Broken. Il joue bien le con. Bah, à part pour les loops, mais sinon il joue plutôt bien son perso quoi. Après, on a Predatorian, donc forcément c'est un désavantage pour nous. Attends, y'a Ruine? Pourquoi Ruine s'est pas déclenché avant? Yo, l'Unicodou, comment ça va? Je rappelle, hein. Merde. Ah! Si vous êtes sage, on va jouer à Pokémon Unite après. Si vous êtes sage, ça veut rien dire. Ok, donc bah écoute, moi ça va nickel, mec. Tu vois, comme là, je suis en train de me faire buter. On passe une meilleure journée actuellement. Salut mon pote! Re. Broken. Non, mais pour. Voilà. Je serais pas sage, merde. Mais d'ailleurs, on peut me rejoindre sur DBD aussi, je l'ai pas dit. En fait, je vais aller grail et je reviens dans un moment. Bah, vas-y, mec. Moi, j'ai mon sandwich à côté de moi. Oh oui! Vous pensez que c'est quoi comme style de tenue ça? C'est plutôt italien ou grec? Ou espagnol? Mais putain, Predatorian, espèce de grosse merde, quoi! Trop con ce que je viens de faire. Mais tue Predatorian, pute, tue Predatorian! Non, faut que tu tues Predatorian! Non, c'est moi qui me vois pas partir. Yes! Pardon. Je joue avec toi dans 30 minutes, je vais manger. Je vais manger d'autres trucs. D'accord, mec, t'inquiète pas. Alors, si par d'autres trucs, tu parles d'aller aux chiottes, ça va. Si par contre, tu parles d'aller te branler, je pense que t'auras pas le temps de manger, de te branler en 30 minutes. Hein. Attends, je mets les paris sur non, mais. On peut être impressionné.
Non, mais c'est bon, la game, mon point est réussi, hein, Praetorian est mort. Même si je crois qu'il m'a cover à un moment, donc c'est grave sympa de sa part en fait. Parce que je suis un gros fils de pute finalement. Je m'en souviens que maintenant qu'il est mort. Oui, on repense. On repense aux choses bien qu'ont fait les gens que quand ils sont morts. C'est terrible quand même. Putain, mais y'a ruine! Pourquoi ruine s'est pas activée tout à l'heure? On est d'accord, quand je suis retourné sur le générateur, y'avait pas ruine? C'est moi qui est complètement sous coke. Il veut vraiment Kate, hein. Il veut vraiment le boule de Kate. Hein. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Quel enfer son build. Mais c'est un très bon build qui a pris, je pense, il a pris immortel, ruine, réparateur et et en dernier, je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais alors réparateur et ruine, c'est sûr. Immortel, je pense aussi, bien sûr. Quoi? Quoi? Quoi, monsieur l'agent? Ça c'est accepté. Ça, l'arbitre, il a dit oui. Oh non, ce genre de game. J'espère qu'il me tue direct. En vrai, j'irais quoi en dernier comme perk qu'il aurait? Peut-être chili barbecue en vrai. Dans un build vraiment méta quoi. Moi j'aurais mis Pop Goes the Weasel. Mais bon, c'est débile, Ruin et Pop Goes the Weasel. Non, c'est pas si débile que ça. Si Ruin se fait dégommer, du coup t'as une autre option derrière. Et pour The Blight, c'est pas déconnant. Surtout que Blight, c'est pas un personnage qui a réellement besoin de trucs d'anti-loup. Il vient, franchement. Non mais... Il fait des générateurs! Pourquoi tu l'as pas vu? Il a fait des générateurs! Bon, j'espère qu'il va vite la trouver, la tuer, qu'il va vite me trouver, me tuer après. Cette game me saoule. Y'a pas un truc pour se suicider, genre, mais lui donner comme si c'était un crochet, quoi? Dans ce genre de situation? Bon, on peut discuter si vous voulez, hein. Ou régler les options. Alors, audio. Ouais, audio, je trouve que c'est un peu fort. Oh, elle a oh, le teabag! Oh! Oh, le seum! Le seum s'est emparé d'elle! Juste pour ça, je la... juste pour ça, si elle dit juste, juste connard, je la signale et je demande à Blake de la signaler aussi. Tu peux me laisser la trappe. Là, ici, là, elle est là. Là-bas. Oui, là-bas. C'est elle, la trappe. C'est elle, voilà. Bien, fais-moi un bisou. Merci. Je m'en fous de la trappe, hein, je pose la question. Là. J'aurais pu y aller effectivement, mais on bat les couilles. J'ai dû s'en douter d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé. Sacrifié. Bah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que... Autant quand je joue toujours, tu te fais insulter par l'entité. Ou traiter de... Ou juste l'entité par le mal. Autant quand tu joues survivante, bah on se défait quoi.
Genre, vous êtes en vie. Vous êtes sacrifié. Vous êtes mort. C'est fou. Il a... Putain, mais... Pourquoi il y a des joueurs console qui peuvent écrire? Ah putain, mais je suis con, je l'ai vu. Mais voilà, j'avais raison. Putain, en plus, je suis trop con, je l'ai vu, ce truc. Deux fois, ça m'a niqué. Genre, comment ça qu'ils peuvent écrire, quoi? C'est con parce que c'est des bonnes percs, hein. En vrai, hein. Pourtant, qu'est-ce que t'as été mauvais? Indéfectible. C'est vrai que si je l'aurais, je dis pas que je jouerais pas avec. Hein. Après, je suis nul pour les déshabiter. Hein. Genre, depuis que Coolissif a été nerf, entre guillemets, a été changé, je n'arrive plus, comment dire. Je n'ai plus vu un seul mec louper son coup décisif. Hein. Ou alors peut-être que ça le dit pas. Peut-être que du coup ça le dit pas. Du coup, je me demande si c'est pas devenu plus facile. Ou voire même qu'il n'y a plus du tout de test d'habilité en fait. Parce qu'avant, alors si c'est plus le cas maintenant, je vous explique que coup décisif vraiment un test d'habilité en fait qu'il fallait faire. Mais qui était assez chaud, je crois. Coup décisif, c'est l'enfer d'ailleurs. Je crois que même maintenant en compétition, bah je suis con, j'ai dit même maintenant en compétition, il est limité. Mais de toute façon, maintenant en compétition, t'as pas, les survivants n'ont pas le droit d'avoir deux fois la même perk. C'est-à-dire que si quelqu'un a Borrowed Time, bah les autres n'auront pas le droit de l'avoir par exemple. Bonjour les gens, c'est le roux, ouais, je sais. Comment vas-tu le roux? Ouais, de la... Ah non, oula. Doucement avec Staline. Parfaite occasion. Quand je dis que c'est de la merde alors qu'il y avait parfaite occasion. D'ailleurs, j'ai dit à Camarade Ours qu'il faudrait trop lui faire une alerte follow où Giroud il dit oh là, doucement avec Staline. Ça l'a fait rire, du coup on a validé. On va réussir à faire ça en fait. Bientôt la fin de semaine, c'est vrai. Camarade Ours qui dit ouais, putain. Moi je suis pas un chômeur, je bosse et tout. Vous voulez que je vous dise c'est quoi ses horaires? Vous voulez que je vous dise c'est quoi son emploi du temps de la semaine ou ça va? J'adore, hein, mais alors là il m'a fumé. Hein. Quand j'ai vu ça sur Discord, il m'a exterminé quoi. Je peux vous le dire, hein, c'est pas un secret, hein, son emploi du temps de cette semaine. Hein. Vous allez chialer hein, dès que vous l'entendrez. Hein. J'ai vu les serveurs Minecraft de Macron. Ouais, j'ai vu. J'avais limite envie de faire un live, on va voir ce qui se passe dedans. Après, juste, ce serait peut-être un peu mal placé. Les gens, ils penseraient peut-être que c'est politique et je devais rien faire de politique. Faut savoir que je suis apolitique, la politique, je m'en fous en fait. Malgré ça, je vais quand même aller voter, je vous dirai pas qui. Mais je vais pas voter à un candidat qui me paraît. Dont j'aime spécialement le programme. Hein. Je vais juste aller voter un truc qui me paraît le plus sensé et logique. En gros. C'est quand même bien d'aller voter. Même si je peux comprendre que les gens ne le font pas. Mais il est midi 6, c'est l'heure du sandwich pourri d'hier. Miam, 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 Alors. Un sandwich avec de l'emmental Eco Plus, 3 tranches exactement, de la sauce pomme frite. Et j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, c'est que ça fait depuis une journée qu'il n'a pas bougé de cette place. Est-ce que ça vous donne pas un peu envie? Vas-y, balance les dossiers. Ok. Alors, accrochez-vous pour cette charge de travail incroyable que subit le camarade ours. Vous êtes prêts? Lundi, il bosse pas. Mardi, il bosse pas. Mercredi, travail. Pas une blague, mercredi, travail, il fait du 9h, du 9h midi et demi, 13h30, 17h. Jeudi, il bosse pas.
Vendredi, il ne bosse pas. Ce week-end, il ne bosse pas. Maintenant, vous revoyez son message où il dit que c'est pas un chômeur et qu'il n'a pas le temps parce qu'il travaille. Vous avez le droit de rigoler. Vous avez le droit de dire que vous le savez parce que vous êtes des espions de du KGB. Ce chômeur! Le pire, c'est qu'il est payé, hein. Putain, JPP. Genre, son devoir, c'était quoi? C'était de regarder une vidéo de 2 heures et de dire, expliquer sur un papier de quoi ça en parlait. Il m'a dit, waouh, ouais, c'est dur et tout. Je lui ai pas fait ça en live, c'est peut-être rigolo. Il m'a dit, bon, on peut faire ça en live, mec, c'est des devoirs. Moi, j'aurais trop fait en live, hein. En fait, son problème, c'est que. Son problème, c'est que c'est un mec qui a un peu la flemme. Bah, même carrément, mais c'est pas mal ça. Voilà, c'est pas grave. C'est dit comme ça. Il y avait plein de gens comme ça. Mais moi, je suis un peu comme ça. Mais il l'assume pas. Du coup, au lieu de dire, bah, j'ai juste pas envie de faire de live. Parce que je suis pas dans un bon mood, juste parce que j'ai pas envie. Bah, il dit, bah non, mec, j'ai trop de travail. Oui, bah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas pu faire de live hier. Alors là, c'est pas du tout pour faire une blague ou autre. J'ai pas fait de live hier Pokémon Unite, je suis désolé d'ailleurs, mais en fait, pour le coup, j'avais vraiment trop de travail. La preuve, j'ai même pas fini. La preuve, j'ai même pas fait la moitié de ce que je devais faire. Parce qu'à 23h, j'étais plié, j'en pouvais plus, je suis allé me coucher quoi. D'ailleurs, quand j'ai rendu les trucs qu'on m'avait demandé, la meuf, j'ai vu que ça faisait genre 1 heure qu'elle était plus connectée quoi. Donc pour en partie se coucher donc. Ça, je me suis amélioré, en plus j'aurais aimé jouer avec toi, mais mec, tu sais que Camarador, ça a failli dire oui pour un Pokémon Unite hier, donc aujourd'hui, faut l'encourager. En fait, là au moment où il a failli dire oui, c'est que j'ai dit qu'il y avait plusieurs membres de la communauté. Il a dit ah ouais, c'est vrai et tout. Après, j'ai dit ouais, il me dit oui, il y avait Camarade Leroux, puis je crois qu'il y en avait un autre. Il me dit non, mais il y a que Camarade Leroux. Genre, c'est bon, c'est mort. En fait, s'il y a juste une autre personne en plus, en fait, faudrait au moins qu'on soit deux, sans me compter moi, de la communauté, donc toi et quelqu'un d'autre, et c'est bon, en fait, il voudra. Oh, t'as galéré à l'attraper quand même. Oh, l'arbre qui rentre dans la maison, c'est sympa. J'ai vu que tu jouais que des carries. T'as testé qui d'ailleurs? Ouais, Carrie, moi, c'est un de mes rôles préférés, hein, donc je peux pas t'en vouloir. Hein. Support, défenseur, c'est. Enfin, support et Carrie sont mes rôles préférés après défenseur. Sinon, aujourd'hui, je voulais. C'est une blague de mauvais goût. Je voulais me renommer Will Smith et jouer Nemesis. Comme ça, je pourrais mettre des grosses patates aux survivants. Ça aurait plutôt été rigolo. Vous revenir, madame, je vais vous soigner. Ou le Démogorgon, vu que le Démogorgon, pour le coup, il met vraiment des claques en plus. Ah, la harpie, mais si je jouais la harpie, les gens. Parce que la harpie, pour le coup, met vraiment des grosses claques. Mais le problème, c'est que si je jouais la harpie, les gens, ils allaient se dire ouais, mais parce que tu joues la harpie, parce que les Renoir et Will Smith aussi, MDR. J'avais pas compris, on a de la blague. En cas, genre, avec Dracovet, j'aime. J'ai même pas envie les autres, mais j'aimerais assez Luka. Bah Luka, mec, t'as ça, il est en free en ce moment, non? L'événement est déjà fini? Non, je pense pas. Mon prochain déblocage, je pense, c'est du Ralugon. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des miniatures pour Pokémon Unite. D'ailleurs, pour DBD, d'ailleurs, j'ai trouvé une idée pour une miniature. J'ai testé voir si ça rend bien. Et ça rend bien, on sort là-dessus et on fait des miniatures pour DBD. Quand même, pour les 50 VOD, est-ce que je ferais pas 50 putains de miniatures? Tous complètement différentes. Il
Pokémon Unite, ouais, Lucario, il est dur à jouer. Hein. Ah, Lucario, c'est beaucoup de dash et de TP. Le problème, c'est que si tu fais une TP là où il faut pas, tu peux vite te retrouver comme un con, en fait. Ça va quand même snobé, quoi. Ah oui, il y avait vraiment, vraiment Lixon, quoi. D'ailleurs, je sors du mode pour moi. Quoi, de quoi? Non, mais Lucario, après, il faut savoir le joueur, il est fort, Lucario. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais alors, c'est très technique. Il hein. Y a un skin de Lucario en mode Anubis, il est tellement stylé. S'en bat les reins de moi. Je vais faire des générateurs. Je suis pas débile. Fais mes heures pour chaque épisode. Bah, c'est ce que je fais, hein. Genre là, là, théoriquement, ce live-là va avoir une miniature. Je ne sais pas ça va être quoi, mais va avoir une miniature. En thème, en fait, le défi, c'est de faire une miniature différente pour chaque VOD. Et que chacun ait un truc qui décrit un peu l'épisode. Le problème des BD, c'est que c'est trop n'importe quoi pour vraiment trouver un truc qui décrit pile l'épisode. Il faut que ce soit différent. Genre là, par exemple, je joue Yoichi. J'ai joué Yoichi 2-3 fois, mais je continue à jouer. Donc je pourrais mettre Yoichi sur la miniature. Le problème, c'est que j'ai déjà Yoichi dans, beaucoup joué Yoichi dans, un autre live. Et du coup, bah... c'est compliqué, quoi. Je suis à la fois, putain. Bah, tu regardes sur ma chaîne YouTube, toutes les VOD ont une miniature. Enfin, non, pas toutes. Mais genre, Pokémon Unite ont quasiment su miniature. J'ai pas fait les dernières, du coup. Des BD, je compte en mettre. Genre, Pokémon XD, il y en a. Pokémon Bouclier, il y en a. Qu'est-ce qu'il y en a, d'autres? Smite, non, mais je pourrais Smite. Il y a une série de... il y a beaucoup de lives, il y a des miniatures, je sais plus c'est lesquelles. Pourquoi lance pas de hache sinon? On peut en parler? Il est trop con, regardez! En vrai, là, bah, c'est une mauvaise partie, mais elle a fait que de tunnel. Combien d'abonnés chez YouTube? Je sais pas, je m'en fous. Re-Swan, re-Broken. Alors, la chaîne VOD me sert juste à mettre, en fait, des... bah, des VOD. Non! C'est ça, j'ai bien écrit ton nom, c'est vrai. La chaîne VOD, ça va juste à mettre les VOD en fait. Ça sert à rien d'autre. Hein. Genre pour de vrai, hein, c'est vraiment juste, ça ne sert à rien d'autre que ça. Et l'autre chaîne YouTube, c'est m'en fous des abonnés. Je vous avoue que là, je suis incapable de vous dire combien j'ai d'abonnés. Hein. Même pas une, genre une fourchette. Hein. C'est juste que la vidéo qui parle de ma collection de DVD a beaucoup de vues, mais je ne sais pas pourquoi. Allez, va. Donc la vidéo, la collection de films d'horreur, c'était vraiment
Vas-y, on fait une, on fait, vu que c'est ma chaîne, ça parle d'horreur, vas-y pour Halloween, pour le mois d'octobre, chaque semaine on fait une vidéo. On fait genre deux grosses vidéos, et on fait deux petites vidéos un peu à la con, et ben la les vidéos DVD, c'est une petite vidéo à la con, quoi. Qui a été monté par moi et le camarade d'ours d'ailleurs. Bon, quelqu'un va me rejoindre du coup? C'est vrai que j'avais ça, je m'en suis même pas servi quoi. Ce moment de ma merde. Oui, c'est une cassette. Y avait un gars à la mission locale qui avait genre 18 ans, 19 ans. Je lui parlais de ma collection de VHS documentaire de National Geographic, ça s'appelait pas National Geographic à l'époque. Il m'a demandé c'est quoi une cassette? Enfin, c'est quoi une cassette VHS? Il dit, bah, tu sais, c'est les cassettes, genre en mode, tu sais, le rectangle noir avec des bobines tout au milieu. Je fais, putain, j'ai jamais vu ça. Ça m'a tellement donné un coup de vieux, putain! Je suis pas sur DB, je suis sur DAL, là, oui. En août! Même moi, je sais, mais en vrai, tout le monde devrait savoir. Hein. Genre, t'as. Cassette, DVD et Blu-ray, quoi. J'allais dire laserdisc. Quel affront. Ouais, mais ouais, non, mais je veux dire. En France, je sais pas. Mais vous savez que ça se commercialise encore des magnétoscopes, hein. Genre en vrai, hein. T'as des marques qui font encore actuellement des magnétoscopes, qui en produisent encore. C'est pas une relique du tout, hein. Il y a plein de gens qui préfèrent voir leurs films sur VHS, parce que c'est un charme. Bah genre Ring, par exemple, l'idéal c'est de le voir sur VHS. D'accord, mais ouais. Ouais, c'est faux. En vrai, c'est faux. Ring, l'idéal, c'est de le voir en 4K, mais en 4K, le 4K ne sort que le 15, je crois. Il va sortir, il va re, ils vont ressortir Ring au cinéma le 15, non, le 13 avril. 2 jours avant mon anniversaire, putain. Et j'irai le voir, même si je l'ai vu 1000 fois, ce film, même si on l'a vu une fois en live. Même si je l'ai vu, mais littéralement, mais trop de fois, ce film. Je vais quand même aller le voir au cinéma. Je vais vraiment me faire chier à aller le voir et tout. Et je vais être comme un dingue devant. Parce que c'est juste mon film d'horreur préféré. Pas mon film préféré, je pense pas. J'ai pas de film préféré. Bon, sur ce, bande de BG, j'ai cours. Bonne journée. Ah, yes, les cours. Je déteste dans la vie. Ça dépend des cours, en vrai, il y a des cours qui sont sympas, moi. Enfin, quand tu vois qu'avec mon master pour l'emploi, n'arrive pas à me trouver du travail, je dis que ça valait vraiment le coup d'aller en cours. Oh putain! Faut que je vois le trapper sur cette map-là. Non, le trapper, arrête! Il met des pièges, on va le laisser du coup. Merde, j'ai des traces de sang. Donc je vais pas en cours depuis lundi. Putain, trop bien, mec. T'as vraiment être malade quand t'es adulte et malade quand t'es gosse, quoi. Mais alors, quand j'étais gosse, je chopais souvent la grippe. Et ça m'a suivi jusqu'à mes 18, 19 ans, 20 ans.
Et enfin, ouais, en fait, jusqu'à mes 19 ans, ouais, jusqu'à mes 19 ans, je dirais. Et après, en fait, ça m'a vraiment vrai. Et après, ça m'a vraiment perdu, quoi. Genre, j'avais de moins en moins la grippe et. Voilà, quoi. Non, mais je chopais tout le temps la grippe. Truc de fou, hein. Tellement qu'à un moment même, quand j'avais la grippe, j'allais en cours, quoi. Et du coup, je me faisais engueuler. Parce que non, mais c'est contagieux! Ouais, mais bon. Mais quand je dis que je chopais souvent la grippe, genre, j'ai chopé une fois tous les 2-3 mois, quoi. Genre, sans déconner, hein. Ça m'est déjà arrivé de choper la grippe, genre, 2 fois le même mois. Putain. J'ai peur, tu m'as fait peur, Adam, putain, fils de pute. Tu vis Adam, tu m'as quoi? Ah, comme un gros enculé. D'ailleurs, on est tous des minorités, sauf le trappeur. Foutu trappeur de merde. Pourquoi on a mis des pièges à la con? Non, c'est bon. En fait, voilà, la prophylaxie m'aurait pu me servir. Dans des situations où le tueur te lâche, genre comme ça, bah, prophylaxie sert. Mais oui, j'ai prophylaxie tel un lâche. Je vais monter en haut. Je vais monter en haut. C'est moi, le générateur était cassé. J'ai appuyé ma main bénite dessus pour que ça le décasse. Et je vais bénir ce saint totem de ma main. Par la Vaporwave, je te bénis, saint totem. Ils ont vraiment fait un désert derrière, c'est un truc de fou, hein. Orgdam, comme Raccoon City, c'est juste un océan, je sais pas pourquoi. C'est stylé ce que les trucs se font face. Ça va, tu t'amuses avec mon trappeur, mec, ou pas trop? Ça, je peux me soigner, je suis con. Ça va, quelque chose d'abusé. On sait qu'il cherche le totem. Non, il perdrait pas son temps à chercher un totem quand même. Toi, est toujours dans le coin. Hein. Ouais, c'est bon. Elle est belle en vrai cette map, hein. Dommage que la tour ait été spammée en fait. Juste un totem, je te bénis, c'est ça. Ah bah d'accord. Un main trapper m'a donné des strats de fils de pute, il m'a dit. Quand tu vois qu'il reste plus qu'un ou deux générateurs, mets des pièges devant les trucs d'entrée. Genre là, les poignées. Du coup, je fais toujours gaffe maintenant. Il m'a dit ça marche quasiment tout le temps. Parce que même s'il le voit, du coup, ils sont obligés de l'enlever. Et quand tu désactives un piège du trappeur, le trappeur le sait. Et du coup, il sait où t'es en fait. Il sait que tu ouvres la porte. Et que tu es un couard et un manant. Viens, viens, mec, mec! Mais cours, cours! T'as même pas donné le coup, quoi, que t'es vraiment un peu un FDP. Le mec, il a mis aucune personne à terre. C'est trop triste pour lui. Mais je l'ai dit, je me donne plus au sacrifice au tueur en live, parce qu'en live, j'aime bien enchaîner, en fait. Alors que hors live, par exemple, m'en fous, je peux juste me mettre AFK comme un débile devant la porte. Et genre aller me chercher à boire ou un truc comme ça, ou mater une vidéo, genre je sais pas. Il était rendoré pourtant. En vrai, je jouais le trappeur c'est un des pires tueurs, je rappelle. Wouah! Ah ouais, ça fait chier par contre, hein. Il avait un bon build pourtant. Ouais, le problème, ouais, il avait juste rune, quoi. Quand tu tues cet objet là et que tu fais aucune prise, ça fait chier, hein.
Mais ça, alors pour moi, cet objet devrait être de base hein, sur le pigeon oursin. Mais surtout, ça devrait pas être 30 secondes, genre plus longtemps, et puis sur tous les pièges, quoi. Mais sérieux, quoi, mec. Bon, t'as rien dit, du coup, je te mets un pouce vers le haut, mais en vrai, t'as galéré un peu. Pourtant, j'étais pas très très vénère. Hein. T'avais gardien du sang. Pourquoi t'as pris gardien du sang, mec? Ah. T'aurais joué, genre, avec Thanatophobie. Après, c'est un peu une map de merde. Voilà, sa défense. Ouais, le sandwich est plutôt bon encore. Hein. Je vais mettre le sandwich sur la miniature. Non, peut-être pas. Je rappelle que comme je suis un rat, je prends tous les objets les moins chers. C'est-à-dire les marrons et les jaunes. Ah, déjà vu! Le pire, c'est que je dois le prendre parce que, bah... Parce que... Imaginez, si je prends ça, il me prend ça, du coup, je suis obligé de prendre ça, quoi. Qui, en plus d'être pourri, ne sert à rien. Enfin, en plus d'être cher, pardon, et ne sert à rien, et est pourri. Le sandwich. Au swan sandwich. J'admire mon poster de Venom 2. Je me rappelle que j'ai un poster de Venom 2, No Rage. Oh putain, Paramount Morbus, c'est la grosse merde. On n'allait pas le voir. Tout le monde dit ça. Mais alors je sais que les gens disaient ça pour Venom 2, aussi, que j'avais bien aimé. Mais alors Morbus, déjà moi de base, les trailers m'avaient pas trop donné envie. En fait, c'est surtout l'idée d'avoir un film Morbus qui donne envie. Je me suis dit, ah, je suis curieux de voir ça. J'ai vu le trailer, ça a l'air d'être un... Ça, en fait, c'est un film style années 2000, mais nul, quoi. Genre les mauvais films de super-héros des années 2000, c'est une vibe un peu comme ça, du coup ça m'attire pas du tout. Et en fait, les trailers ne donnaient aucune promesse de film en fait. Genre, les trailers c'était juste, bon, il y aura Morbus. Ok, alors. Et apparemment, mais la scène post-générique est éclatée, quoi. Alors, je sais plus ce qu'a dit le chef otaku, mais il y a un autre gars qui a, y a un gars qui avait dit que le chef otaku dit du négatif. Hein. La scène post-générique et le film. Mais avait dit que. Avait dit que la scène post-générique était vraiment nulle à chier, et il y en avait un autre qui disait qu'elle était vraiment insultante, quoi. Genre en mode. Genre on a vu ce film, on a attendu pour ça, quoi. Quelle merde! Quoi ça? Ah putain, c'est un zombie, je trouve que c'était l'harpie. Elle a changé l'harpie. Pensez qu'il va me voir le zombie? Vous aussi, à chaque fois que vous regardez un truc sur des zombies, vous vous demandez comment ça là. Allez, allez, stop, les, stop, les, stop, les, stop, les, stop, les. Oh, il s'est bloqué! Oh, merci! La preuve que les zombies ne servent à rien. Hein. Ouais, que genre ça là, ce qui me poursuivait, ça arrive à combattre des armées entières quoi. En fait, un univers, soit en série ou en film, où les zombies sont vraiment une menace,
Déjà, il faudrait appliquer correctement les processus d'infection, j'ai envie de dire. Genre comment fonctionne une infection en vrai. Voilà. Et ensuite, faudrait genre mettre des zombies à la Left 4 Dead. Je parle pas d'infectés spéciaux, je parle juste des zombies qui courent. Enfin, qui se dépassent un peu vite et qui sont vraiment vénères, quoi. Attendez, à flap, c'est-à-dire qu'elle tueur. Je sais pas si elle tueur, mais il y a un zombie qui s'est coincé dans un arbre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un zombie coincé dans un rocher là-bas et là dans un arbre. J'espère que le Nemesis, tu aimes ta partie. Je pensais qu'il m'a vu. Ouais, c'est rien, il campe. Ah, Jill, il y a le Némésis. Je vais pas lui faire la bise. Parce qu'avant, vous êtes très amis. Vous êtes très copains. Après, le mec s'appelle Man Loser. Il a un peu cherché la merde. Ah, c'est bon. Mais quoi, quoi, quoi? Monsieur l'arbitre, mon test d'habilité, il s'est téléporté. C'est Jill qui l'a pété. Tu es bien joué. Bien joué. Je pensais qu'il m'a vu. Ah, il m'a vu. Ah putain. Je croyais qu'il avait le dos tourné. Oh, j'ai des lags dans sa partie de con. Je croyais qu'il avait le dos tourné en fait, j'arrivais pas à voir c'était quoi sa gueule, c'était quoi son dos quoi. Tu sais que le Nemesis c'est un cul. Non, c'est vrai qu'hier on s'est déjà posé la question. Non, hier on s'est posé la question s'il avait un anus. À mon avis, je pense pas vu que c'est une création en laboratoire. Y'a aucun intérêt de lui faire un anus, surtout qu'il mange rien quoi. Moi je rappelle quand Resident Evil s'avait leaké, j'avais dit le tueur ce sera pas le Nemesis. J'assume complètement. Il y a une D'ailleurs j'assume tellement que j'ai laissé la vidéo. Et tout ce que je dis dedans. Non mais le tueur sera pas le. Je sais plus ce que je disais. Faudrait un jour en live revoir ce genre de truc quoi. Genre en mode. Parce qu'on avait déjà revu les. Moi qui parle du des jumeaux et du trickster genre pendant la PTB. Et du Cenobite je crois qu'on avait fait aussi. Et c'était plutôt intéressant en fait. Parce que le trickster je dis quand même full bullshit en fait. Et par contre les jumeaux je dis plein de trucs vrais. Oh non, quelle tristesse, ouin ouin. Par contre, y'a Jill! Tu Jill! Je crois qu'il est pas loin. Ouah! Il s'est étouffé qu'un morceau de sandwich. Putain, mais. Il a surveillance et maltraitance obligée. Obligée surveillance et maltraitance. Pour me faire des pranks comme ça. Oh, quel bâtard, j'avais oublié que j'étais contaminé. Relini Claudou. Stars. Bon, je vais manger mon sandwich.
non, 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 cours. Oh, mais en vrai, les parties numéro c'est vraiment les meilleures. Tout va bien, tout va bien. Je mange comme un gros porc. Tu vois qu'on coincé le zombie? Non. Non, il est là-haut. Il y a encore un vaccin. Peut-être que je le prends. Non, je vais le laisser. Tout le monde s'en fout de mon bonus de vitesse, hein. Je s'en batte les couilles. Hein. Tu joues contre Nemesis? Eh ouais, mon gars! C'est pas trop la classe, ça? Non, mais alors, les games Nemesis et Demogorgon, c'est vraiment les meilleurs. Et Sadako. Alors qu'ironiquement, ils sont pas très drôles à jouer. Enfin, pas si drôles que ça à jouer. Enfin, Sadako, non, Sadako, je trouve vraiment fun à jouer, mais je trouve pas très très forte en fait. Je trouve un peu éclaté d'ailleurs. Genre, en vrai, là, si demain on m'invite, je sais pas, à faire une compétition des BD, en mode faut jouer sérieux, je sais que je jouerai pas Sadako par exemple. Et j'aurais pas non plus une Nemesis. Par contre, je dis pas le Demogorgon. Demogorgon, j'ai énormément joué. Hein. Mais bien sûr, mec, tu peux rejoindre, évidemment. Il est 12h40 là? Ok. Oh putain. Oh putain! Je te laisse te mettre un coup de fouet. Pour tes points. Non? Ok. J'ai lâché une palette dans la poursuite. Ah oui, ça, je me suis pris juste un coup de tentacule après, c'est vrai. Man loser. Gardien, c'est bien en vrai. Mais en vrai, les compétences de Steve sont sympas. Hein. Je fais ça, je veux. Yo Rodina, comment ça va? Je rappelle que dans une heure, on va faire du Pokémon Unite. Genre, allez, à 14h, je vais dire un truc comme ça. 14h, on fait du Pokémon Unite, ok? Si ça branche certains. Je rappelle, le jeu est disponible sur téléphone. Ah mince, j'ai une mage. Ah bah mec, c'est quand que t'as pas joué? Ça va et toi? Bah cool, ça va nickel. Bah je vais quand même lancer une game, hein, dans une code. Ne m'en veux pas. Je n'ai pas trop envie. Non mais t'inquiète, hein, vous êtes pas obligé. Hein. Peut-être que vous préférez me voir jouer à DBD, me voir me faire défoncer. 4 à 5 mois, ah oui! Non, parce que il fut un temps que j'entendais vraiment les gens qui finissent leur match et tout en fait. Ou leur téléchargement de PTB. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'était une mauvaise idée. Parce que soit les mecs, juste, ils disparaissaient du chat, voire du live, hein, complètement, on peut le dire. Ça durait 3 plombes. Soit il y avait une couille. Genre, la dernière fois, c'était quoi? C'était pour une PTB. Ah, mais en fait, tu peux pas dire la PTB sur ma console. On a juste attendu 15 minutes que le mec trouve un moyen de le faire, tu vois. Mais... J'ai juste un peu envie de décéder, de le tuer, mais c'était un viewer, donc j'ai rien fait, quoi. Charme, mets-toi un charme. Que je suis quelqu'un de très charmant, évidemment. Moi et ma coupe de lesbienne. Ah, mais j'ai que des trucs clairs en plus qui brillent, donc tu vas mieux me voir. J'ai un Tamagotchi, tiens, on va mettre un Tamagotchi. Ah, c'est tellement laid. En fait, je vais rien mettre. Ah oui. Mais 4 à 5 mois, j'allais dire, t'as loupé deux nouveaux tueurs, je crois. Mais vrai, c'est un peu ça, quoi. En fait, t'as arrêté l'artiste venait de sortir, quoi. Moi, le plus longtemps que j'ai regardé jouer à des BD, je crois que c'était genre 6 mois, justement. En fait, j'avais loupé le Deathslinger, j'avais loupé le Oni.
Et je suis revenu parce que Pyramide est dedans. Il n'y aurait pas eu Pyramide, je serais jamais revenu. L'artiste, c'est qui? MDR. L'artiste, c'est un rappeur. Non, je déconne. L'artiste, c'est la tueuse qui fait croix-croix et qui lance des corbeaux. Et qui fait très probablement 3 mètres vu la taille qu'elle fait. Une dame fort charmante, dommage qu'elle veuille tuer tout le monde. Ce serait bien qu'on tombe sur elle. Oula, j'ai arrêté avant Némésis! Ah! Donc t'as raté le Cénobite, t'as raté l'artiste, t'as raté Sadako. Donc ça fait pas. Mec, ça fait pas 5 mois. En fait, vous voulez savoir combien de temps vous avez arrêté de jouer à des BD? Vous regardez les nombres de tueurs qui sont sortis que vous ne connaissez pas ou de survivants. Et dites-vous que entre deux tueurs, il y a 3 mois. En une tronçonneuse. Billy, pitié Billy. Pas Leatherface. Leatherface, c'est les parties les moins drôles du monde. Même quand ça campe pas, hein, c'est un peu nul, Leatherface, je trouve. Ouais, c'est Leatherface. Quel enfer. Pourquoi tout le monde, tant de gens jouent Leatherface? C'est si aimé que ça, Massacre? Massacre à tronçonneuse? Ah non, c'est Billy! Ah, presque, mec. J'en fais les Billy qui font des putains de drifts de ouf. Hein. Non, non. D'ailleurs, l'autre m'avait touché comme ça. Il est passé où? Putain, il est là. Putain, putain! Et oui, pourquoi vous êtes pas parti la souris pendant le trou de balle pendant que je fais ça là? Ou je sais pas, au pif, faire des générateurs, merci! Attends, t'es toujours pas sauvé? Putain, faut que j'aille le faire, sérieux? Oh putain. Non, mais c'est une blague! Vous êtes des blagues vivantes! Putain, entre John Jockey et le mec qui fait caca dans les buissons en regardant loin ce qui se passe. Je sais pas c'est qui que j'ai envie de médailler là. C'est bon. T'as pouvait être moins des glands s'il vous plaît quoi. Joue avec la compétence de Jean Seiya, j'ai oublié son nom, qui fait que tu peux te relever tout seul quand il y a un totem béni à côté. C'est de la merde ce qu'on présente. Giga trop situationnel en vrai. Et pourtant, il a un effet en plus que ça. Hein, c'est genre, je crois que tu récupères plus vite, un truc comme ça. Bon, qu'est-ce que c'est de la merde? Où est le Gen Jockey? Putain, mais Crusader doit tellement avoir le seum, quoi. Mais comment ne pas le comprendre, quoi, en vrai. Genre ce genre de game, quoi. Putain. Un enfer. Bon, le problème, c'est qu'on fait aucun générateur là-bas, du coup. Du coup, spoiler, on va se faire enculer. Surtout qu'on est plus que 3. Ça sent pas trop bon quoi.
Mais t'as arrêté avant Nemesis, mec. Attends, ça fait combien de temps que t'as arrêté de jouer? Attends, je calcule. C'est presque un an que t'as pas joué. C'est ça, c'est presque un an que t'as pas joué. Bon, je dis ça, mais je vais John Jockey aussi. Mais bon, là, ça, y a de la marge, quoi. Allez. Jeune jockey, pour moi, c'est vraiment tu lâches pas ton générateur quoi qu'il arrive, quoi. Genre, un jeune jockey de l'enfer, c'est vraiment un mec qui... C'est vraiment un mec, genre, qui va... Qui va même pas lâcher le générateur, c'est le tueur à 2 mètres de lui, hein. Un truc de fou, hein. Toi qui vois, mec, hein. Ah bon, ça me fait chier les mages. Mais y en a une prochaine qui arrive bientôt en plus, hein. Donc je fasse vite une vidéo pour en parler. Il y a une mage parce qu'il va y avoir il va y avoir un rework, enfin rework, un boost pour Ghostface et Légion, voilà. Et un rework de Adamfield. Faut que j'en parle. En plus la vidéo est écrite, hein, donc. Hier soir, j'ai même pas eu le temps de la tourner. Hier soir, je vais faire un live sur une vidéo. Mais gros, trop de balles! Mais putain, mais regarde ce qu'il fait! Il marche bien, comme ça, en mode trou du cul, en mode. Hé, je suis un rat! Mais cours, gros fils de pute! T'as vu le tueur, de toute façon! Il t'a vu! Éloigne-le! Mais éloigne-le! Putain, les Darwin Awards là qui se perdent. Putain, mais si on adaptait votre vue au cinéma, ce serait tellement une tragédie comique de merde. Mais regardez-le! Comment tu veux pas rager? Allez, je me casse. On est tous saoulés. D'ailleurs. Mec, il se prend... T'as un débile qui fait ça comme ça, pendant que l'autre se mange des putains de déchets dans la gueule, quoi. Pardon, je gueule dans le micro, je suis désolé. Pour de rien. Puis j'en ai vu un autre qui faisait rien en plus. C'est un essai de ne pas rire. Ah, franchement, c'est dur. En vrai, vous, je pense que ça vous doit faire rire parce que vous êtes pas dans le jeu, mais imaginez-moi dans la partie. Oh oui, enfin, il fait quelque chose! Oh! Là, il loupe tous ses tests d'habilité, du coup, je l'attrape, je explose la tête contre le générateur. C'est bon, il y a vraiment un skin qui a une gueule défoncée d'ailleurs. Je crois que oui. Après, il faut y avoir un train qui joue bien en fait. Hein. Ou alors c'est Billy qui est mon con, je sais pas. Putain, si seulement vous avez des lots, quoi. Putain, mais Crusader doit tellement se retrouver dans sa tombe. Après, je trouve que Crusader c'était le cancer. Hein. Je vais me prendre la gueule obligé.
Obligé, il va m'arriver dans la gueule. Regardez, Dwight qui fait des traces là-bas pour indiquer aux tueurs qu'on est bien là. Quel génie, Dwight. Tu veux pas non plus allumer des projecteurs? Tu veux pas non plus allumer un putain de bat signal? On se casse, on s'en fout. Je m'en bats les couilles, ils peuvent tous crever. J'en ai marre d'eux. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Genre en vrai, hein. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'il avait pas l'air mauvais, Fire machin. Attends, mais il est pas derrière toi, Billy? Il est où? Mais il est où? Mais sors! Pourquoi tu sors pas? Attends, mon retour est trop fort. Mais pourquoi il sort pas? Et y a Billy arrive sur le côté, il le voit pas, il l'encule. Ah putain, merci. Vous le méritez pas. Hein. Vous le méritez pas, mais. Quel enfer. Ah, mais il a aucun build de protection du générateur. Sorry. Pourquoi sorry? J'ai rien compris. Je trouve qu'il essaie de faire la strat du drift et en fait je crois qu'il a mal fait ses réglages. Et je vais pas me chercher un peu à boire moi si on est marre là. Ouais Unicodo, tu me dis si t'es prêt ou pas. Hein. Je vais me chercher à boire. Tu mets un pronostic sur le temps de la mise à jour. Mais moi, vous savez, DBD avec Smite, c'est un des rares jeux où j'aime bien. Où je suis content quand il est mis à jour parce que je sais que ça va réellement apporter des trucs. Voilà, en gros. Refais une game, t'inquiète, ok. T'estimes à combien de temps là? J'ai quoi dans mes contacts là? Du Elden Rings, oh putain. DBD, Dofus, Phasmophobia, ok. Ah mais c'est Bill! C'est Bill Overbug. Là tu vois, ces gens-là je les connais pas. Sauf ça va être du même niveau que tout à l'heure, ça se trouve ça va être ok quoi. Pareil au tueur, je le connais pas. Là, je trouve que c'est un truc marrant dans DBD, c'est que tu sais pas qui est le tueur en début de game, ça c'est un peu rigolo. Du coup quand on joue avec Camarade Ours et d'autres potes, on fait toujours des paris en fait. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu bon, je crois, une seule fois. Genre les 3 jours, on dit un truc tout différent, on n'a jamais bon. Après, sur 27 tueurs, c'est vrai que c'est un peu bon. Un peu dur. C'est qui l'artiste? C'est qui? En fait, j'aurais dû te demander, mais mec, tu vois c'est qui le Cénobite? Tu aurais dit, bah non, je vois pas. Tu es magnifique comme ça, Kate. En vrai, les cheveux, j'aime bien. C'est quoi cette coupe? Pas cette coiffure, moi. Pourquoi? Y a deux Kate. Pourquoi tout le monde joue Kate? Ouais, tout le monde aussi, je sais pourquoi tout le monde joue Kate. Tout le monde joue Kate depuis qu'il y a eu le boost sur la compétence. Qui est pas si dingue que ça d'ailleurs comme boost. Hein. Bon, pourquoi les gens maintenant d'un coup ils se disent ah, mais cette compétence, trop bien. Ah, si, à la base, c'est qu'il y avait un truc, je crois, sur les. Sur aussi le nouveau système de gigotage en fait. Je te rends compte, j'en avais au frigo. Oh putain, yes! Je sais pas c'est qui a mis la bonne refaite sanglante, mais juste pour ça je le remercie. C'est le tueur, en vrai il peut prendre ma vie. Ouais. Allez, on va mettre les paris. Je dirais. Ah, j'étais entre Démogorgon et Sadako. Je vais dire Sadako. Je dirais que ce serait une Sadako.
Allez, STP, plus vite, MDR. Surtout qu'il y a une branle, en fait, donc il n'y a pas d'intérêt qu'il y ait un pélo qui est quitté, parce que putain. Allez, 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 allez. Ah, chapelle du père Campbell. Pas une map dégueulasse, surtout en survivant. Parce que c'est un générateur. Ok, c'est pas Sadako du tout. Ni Démogorgon. Donc j'ai perdu. Je crois que c'est Nemesis à la musique. Tu sais qu'on voit jamais son, c'est les jumeaux. Genre vraiment. Ah, c'est l'artiste. En plus, j'ai dit que ce serait bien qu'on en voit une. Voilà, l'artiste est là. Croix, croix, croix. Moi, ça me fume qu'elle ait vraiment des mimiques de Piaf, quoi. Alors que dans son lore, c'est juste que c'est une artiste, quoi, littéralement. C'est une couturière, une dessinatrice et une peintre, quoi. Ah oui, c'est vrai. J'ai dû m'y attendre. T'en as rien à foutre que tu m'as fait crier, en fait. T'aurais pu me sniper, là, en vrai. Je rappelle que l'artiste est un sniper, évidemment. Qui envoie des corbeaux. Ça va, tout va bien. Ouais, ouais, tout va bien. Surtout que moi, je vais bien. Bien, bien, bien. Trop à côté. Je vais essayer d'en faire... Ouais, il est là-bas. Putain, Bill, non, non, fais pas ça! Non, non, Bill, non! 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 Tue le, tue Bill! Putain, c'est moi qui fais poursuivre. Merde, frère. Ça, c'est puis réinstaller MDR. On fait de la place. Alors moi, l'avantage de mon baiser, c'est que c'est pour le coup, c'est vraiment une putain de grosse banque. Hein. Putain. Bill, ce fils de pute de l'enfer qui casse des totems. Bah, si on se demande pourquoi il n'y a plus de totem, on sait pourquoi maintenant. Bill, ce traître. T'as un petit porte-clé Jigsaw, c'est marrant ça. Mais putain, eh oh! T'as pas oublié quelque chose? Mais c'est tous des FDP en fait. Ça pète des totems, ça te soigne pas. En fait, péter des totems dans un univers où il y a des compétences de survivants qui ont besoin des totems et où un tueur. Un avantage quand tu pètes ces totems. Comment vous expliquer que c'est juste c'est. C'est non quoi. Encore, il y aurait juste une histoire de sort et tout. J'aurais dit oui, allez, pourquoi pas. Mais c'est pas ça quoi. Du coup, je cherche un totem comme un gros FDP. Parce que Bill, ce connard, a pété mon totem. Oh putain, il y en a là.
Et que Kate a pas voulu me soigner. Voilà. Ça va, cette game vous plaît? Comment elle a su que j'étais là? En vrai, je pose vraiment la question. Quelle connasse! Comment est-ce que j'étais là? Ah, y a le générateur en plein milieu! Ok, ma théorie. Soit elle a fait du barbecue, mais je crois qu'elle venait pas d'accrocher quelqu'un, c'est ça qui pose la question. Soit en fait, elle a loupé son tir et a tiré un peu à côté du générateur qui est là, et en fait elle m'a touché moi, mais pas fait exprès du tout, je crois. J'ai un disque dur, mais DBD sur la console et pas mon disque dur 4 Tera. Ah putain. Ah, tu sors DBD à console, toi. Ouais, souvent c'est bien. Tueur, par contre. Moi, j'aurais bien avoir le vrai retour de quelqu'un qui joue tueur sur. Qui joue tueur à DBD. Sur console. Genre, est-ce qu'il le vit bien? Je rappelle un de ça parce que Kate m'a pas soigné et que Bill a cassé un totem. Personne n'est mort encore, putain, pourquoi ça m'étonne? En vrai, je pense qu'on va tous crever. Hein. Pessimiste diront certains, réaliste diront d'autres. Nique ta mère. Non! Change de loup parce qu'elle a mis des corbeaux. Croix, croix, croix. J'ai trouvé le pire loup du monde par contre. On peut en parler. Ah! Ah! T'es fait tuer en une de balle, putain! Oh non, réaliste! Je crois. Triste est la réalité, mais réelle est la réalité. Cette partie est déprimante! Putain, merde. Là, j'ai des airs déprimants en slow it down dans ma tête. Hein. C'est vraiment. Oh putain. En fait, je suis en train de résumer la game dans ma tête et je me dis c'est encore plus pathétique que ça en a l'air. Parce qu'en fait, la game c'est quoi? C'est. J'ai fait un générateur. Je suis, vas-y, on retrouve pas celui-là parce qu'il est trop près de l'autre. Je vois Bill, je vois le totem, je vois Bill qui va péter le totem, je lui dis non fils de pute fais pas ça, il le fait. On rencontre l'artiste, je me fais péter à la gueule. Je réussis à m'en sortir. Je retrouve Kate pour qu'elle me soigne. Kate a fini le générateur, il y a ce bar. Mais genre comment jamais tu t'es barré. Du coup je jure sur le totem pour, bah, pour me sauver le cul quoi. Et puis je me fais tuer en fait parce que la meuf a loupé son tir. Attends, est-ce qu'elle a vraiment loupé son tir? On a envie de 10 minutes dans la fin de la game, voir si elle a pas chier barbecue en fait. Bill, tu es tellement mal! Oh, comment elle l'a trop bien niqué! Quoi les autres? Non, sérieux! Non, 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 Kate! Non, pas ça! Pas maintenant, pas toi! Non, ça va, on va le sauver.
transforme les sacs à actifs alors que je suis mort, quoi. T'as vraiment problème avec soigner les gens, toi hein? Non, c'est l'autre qui a pas voulu me soigner. Pardon, c'est pas elle. Okay, c'est vrai que toutes les games qu'on a fait, il y avait deux Kate. C'est quoi leur compétence, pardon? C'est drôlement dur, meuf. J'ai envie de pleurer. J'ai encore plus envie de pleurer. En vrai, c'était bien jusqu'à là. En vrai, l'artiste la joue bien. Moi, c'est juste un mauvais idée d'avoir appelé l'artiste. Hein. Surtout que son nom de production était meilleur. Hein. The Black Val, je préfère. Hein. Alors, ils vont dire que ça veut rien dire, la vallée noire. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus stylé, je trouve. Ok, moment de vérité. Est-ce qu'elle a suivi barbecue? Si elle l'a pas, c'est littéralement dire qu'elle a loupé son tir, ici. Moi, je veux savoir. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, pour le moment de vérité? Suivi barbecue ou pas suivi barbecue? Vous l'avez easy, trop, mec. D'ailleurs, je vais spammer easy comme un gros FDP dans le chat. Bon, la vie, je suis okay. Franchement, je veux bien. Vous, par contre, vous méritez rien du tout. Pedro. Notre mythe commentaire gentil aujourd'hui. C'est bien de soutenir nos tueurs parce que nos tueurs ont du talent. Jouer Elden Rings. Oh putain, c'est pour ça. God Looper. Ah, en plus, il joue bien en survivant. Best Space Billy I have seen. Attends, je peux pas mettre un commentaire, quoi. Oh, dommage. Vidéo vire. Ah, tu joues Sadako en plus. Oh, putain, tu mériterais tellement d'avoir mon amour. J'appelle mon live à l'heure, on est perdu parce que je me dis que ce sont les gens qui arrivent sur ma. Il y a tellement de streamers DBD à n'importe quelle heure que je me dis que les gens qui arrivent sur mon live sont forcément perdus. Ce qui n'est pas faux en sens. Et je remets un peu le son de mon ton parce que du coup j'entends plus tout en fait. Juste je l'écarte en fait dans mon micro. Parce que j'ai peur que vous entendez dedans en fait. Dans une minute, normalement, la mage est finie. Une minute, une vraie minute ou pas? Que c'est une minute, moi, mec, j'attends, quoi. Mais bon. N'est-il pas, pas la première fois qu'on prend, quoi? Ah, putain, j'ai pas assez de trucs, quoi. J'ai beaucoup de points, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort, le fait 50. Ce qui rend cette partie... En vrai, pour de vrai, hein. C'est la meilleure partie qu'on ait faite, hein. Sans débat. La pire, c'est celle d'avant. Mais alors, je vais dire un truc, c'est qu'en ce moment, on fait beaucoup de bonnes games. Hein. Une vraie minute, ok, bon, je vais attendre. On continue à le EP, lui, ou pas? En tout cas, j'ai ce qu'il me faut, là. Bah, j'aurais bien voulu avoir nous y arriver un truc comme ça, quoi. En vrai, ça me va, ça. Pour l'instant. Je vais regarder les points pour Sadako, en fait. Hein. Oula, j'ai eu un freeze dégueulasse. Là, mon jeu fait de la merde, actuellement. On va dire la vérité. Alors, on est d'accord, c'est écrit difficulté difficile. Pourquoi sur le wiki DBD et sur le site officiel DBD, c'est écrit difficulté intermédiaire? C'est une vraie question. Je veux une vraie réponse.
Si quelqu'un a la réponse à ça, du coup, je me demande, est-ce que selon les régions du monde, genre la culture ne change pas, genre... Genre, par exemple, je sais pas, peut-être que, du coup, les Canadiens ont décidé... Refait une game, j'ai une deuxième image, ok. Ont décidé que l'Onryo, pour les Européens, était difficile à jouer, peut-être, c'est ça, hein. J'ai l'Onryo, mais j'aime pas dire l'Onryo. C'est pas que c'est faux, mais c'est que c'est pas complètement... Enfin, c'est vrai, mais... En fait, quand je pense à Onryo, je pense pas directement à elle. Du coup, ça me perturbe. Attends, si, je vais quand même monter Yoichi pour un truc. Ouais, j'ai des lags de ouf. L'enfer des lags, quoi. Je vais monter Yoichi pour un truc con, c'est quand même Yoichi, le truc c'est que j'ai... c'est comment ça débloqué pour trouver ce genre. J'aimerais bien monter moi niveau 40, après on décidera quoi. Parce que moi, vraiment, monter mes survivants... monter mes survivants en prestige et tout, c'est vraiment pas ma priorité. Hein. Et même, je vais vous dire, ça m'emmerde un peu des fois. Parce que autant les survivants se jouent tous pareil, hein, on va pas se mentir, autant les tueurs, pour le coup, non. Donc, en vrai, avoir un seul survivant avec toutes les perks déjà à fond, c'est suffisant, en vrai. Et malgré ça, pourtant, j'ai remarqué que joueurs DBD, dont moi, avait le réflexe de demander aux gens, genre, quand tu demandes c'est quoi ton main tueur, tu demandes aussi c'est quoi ton main survivant. C'est débile de demander ça, parce qu'en vrai, un survivant, il n'y a aucune différence. C'est faux. Pour les gros tryharders, c'est faux, je suis d'accord, mais pour les gros tryharders. Parce que pour les gros tryharders, faut savoir que la taille des persos et leur bruit de respiration et leur bruit de douleur ne sont pas les mêmes. Voilà. Et il y a des persos qui sont plus optiques que d'autres, d'ailleurs. Il y a XDX sur Internet qui vous dit. Genre qu'ils ont vraiment calculé le décibel des sons et tout que font les survivants. Et pour vous dire c'est quoi le mieux ou le pire. Je ne déconne pas. J'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné quoi, je suis, vous êtes sérieux? Je crois que le pire c'est Ace. J'avais vu ça. Ace c'est déjà, parce qu'il déjà, il est grand. C'est poussé donc ouais mais un peu trop je trouve. Hein. Un peu trop pour un jeu où on est censé s'amuser MDR. Je rappelle que DBD c'est pas League of Legends, hein, c'est pas un jeu de tryharder. Hein. Parce que les tryharders s'étonnent que les gens sont étonnés qu'ils existent dans ce jeu. Bah en même temps, c'est un jeu d'horreur où on est censé se faire peur en fait. C'est pas un jeu où on est censé tryharder comme des psychopathes. C'est comme s'il y avait des gens qui tryhardaient Phasmophobia, quoi, vous imaginez? Bon, je suis sûr que ça existe, c'est bon. Mais voilà, quoi. C'est comme si tu lançais FNAF. Ça existe, mec, MDR. Non, mais je sais que ça existe. Mais je veux dire, c'est pas une majorité, tu vois. Des BD, c'est pas une majorité, mais ça en est pas loin. C'est une bonne partie de la commu, hein. C'est comme si dans ces FNAF, je dis, allez, go, je vais tryhard FNAF et tout, je vais tout éclater de premier coup, mode full tryhard, full défi, pas ça, ouais, voilà, dit. Alors que FNAF, c'est pas ça l'intérêt, FNAF, l'intérêt, c'est juste, tu t'éclates, quoi. Enfin, tu te fais un peu peur et tout, quoi. Il y a des tryharders de FNAF, je suis d'accord. Aussi, ça, je sais que ça existe. Ça existe aussi, ouais, mais ça je sais, mec. FNAF, t'inquiète pas, j'y ai joué. FNAF, il y a même des lives prévus dessus, hein. Mais des vrais lives, hein. Je rappelle que j'avais lancé un jour un live spécial qui était prévu depuis une semaine. Ça, je l'ai encore à travers de la gorge, hein. Un live FNAF qu'on m'a demandé et tout. Il y avait plein de gens d'ailleurs qui étaient à ce live-là. Et t'as un connard qui m'a dit de faire un truc en mode lol, tu vois, c'est rigolo. Par sa faute, le live a dû être annulé. Car son truc était rigolo, en fait. Était une boucle de merde qui m'a empêché de continuer le live. Voilà. Genre, c'est-à-dire, la deuxième partie, le mec me dit, vas-y, mets ce perso-là, fais exprès de perdre. Je suis d'accord. Et en fait, quand tu perdais que contre ce perso-là, t'avais un truc qui faisait que... je lag tellement. Ah, je vais quitter le jeu, je vais le relancer. Hein. Attends, obligé, il y a un truc qui s'est lancé sur mon PC. Sans qu'ils me disent. Genre même quand je suis statique, ça lag, quoi. C'est la chasseresse.
Ah, c'est lagment. Non, j'ai rien dit. Vas-y, José Miguel Rosas. Ah, mince. Alors, voilà, j'ai dit sans patate habité, par contre, que je les vois pas. Hein. Ça lag trop. En su live plant, je le relance, mais sur Pokémon Unite, hein, je le dis. Ouais, mais putain, mais sérieux, quoi. Attendez, attendez. C'est grave, ça me tue. Hein. Y a un truc qui s'est lancé, c'est pas possible. Non, y'a rien qui s'est lancé en plus. Regardez, j'ai le symbole en haut à gauche qui dit que je lag, quoi. Un enfer, quoi. Ouah, mais je peux pas jouer. Je joue dans 10 minutes. Est-ce que dans 10 minutes ça marche? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais au secours! Ça a frisé? Je suis où? Ah, t'es là? C'est pas possible de jouer! Mais au secours! Mais comment je suis censé jouer? Toujours, je fais un effort de ouf. Hein. Non, mais je prends une screen, hein. Non, je suis pas là, je suis à côté. En train de flotter, tu vois pas? Vous laguez tous, y'a que moi en fait. Jamais lagué autant, quoi. Non, parce qu'il y a un autre bonus, je vois pas c'est quoi du coup. Vous aussi, c'est mon fauteuil. Mais en fait, il y en a juste un carré bleu vide en fait. Ça freeze. Allez, pas tes habités, s'il te plaît. Putain. Mais tout le monde se barre, tu m'étonnes. Ok. Ok. Mais quel enfer! En sortir vivant de cette partie, c'est un miracle. Hein. En vrai. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Pourquoi il est si haut? Non, parce que je passe sur le truc, ça me dégage. Pourquoi il est si haut? Alors, si on s'en sort vivant, j'aurais demandé aux gens s'il laguait aussi. Ah non, je me téléporte chez... Comme la nurse. Du coup, tu peux pas m'avoir. C'est très déstabilisant pour moi aussi. Au secours, quoi.
Un générateur va essayer de le faire. Lol. Ouais, mais j'ai des frises de fils de pute. Vous les voyez aussi? Ouais, vous les voyez aussi. Vous voyez exactement comment je vois le live. Enfin, comment je vois le jeu, pardon. Je l'ai pas vu. Genre, juste, je l'ai pas vu. Quel enfer. Mais pourquoi en fait? Genre juste pourquoi en fait? Putain, je l'ai vu. J'ai une scène partout quoi. On va se cacher. Par là. Elle est déjà là? Attends, je crois que je me suis suicidé. Hein. J'aime pas, mais je crois que je vais faire ça. Au secours, quoi! Non, non, mais barrez-vous! Ah, j'ai réussi à le faire! Non, mais faites. Non, mais vous êtes cons, à camp, faites des générateurs en fait! Mais comment tu veux jouer dans ces conditions? Ouais. Je suis un beau jeu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Même quelqu'un qui arrive et qui voit ça, il se dit ah ça. Donc son mec, pourquoi le mec il fait des lives alors que son PC lag? Non, non, c'est exceptionnel. J'adore, je me suis mis sur le côté, ça m'a TP juste à côté quoi. Mais alors, je viens de voir, comment vous voyez sur le retour, je vois exactement le jeu pareil. Hein. Du coup, peut-être sur YouTube ça sera plus clair parce que sur YouTube c'est souvent plus clair. Ah putain, c'est horrible. C'est donc ça d'être bourré. Mais surtout, y a aucune putain de raison quoi. Un peu exprès. Pour beaucoup, mais trucs d'objectifs sont bien. Hein. Je cherche même pas à bien jouer en fait parce que. Regardez, je suis tombé là alors que j'étais en train de courir derrière. Regardez, mes transitions sont derrière, elles sont pas là. Vous voyez? Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Le pire, c'est que je suis même pas le premier à être mort. Mais je pense que tout le monde l'a gué. Hein. C'est un truc de fou, quoi. C'est quoi cette game de merde, quoi? Bon, je vais relancer le jeu, du coup. Hein. Faire une ou deux dernières games, quoi. J'ai même pas fait mon défi, du coup. Quel enfer. Quel enfer! J'ai gagné 12 000 points de sang, je crois.
Ah oh, putain, oui. Tape, je les prestige trop ou pas? On pose la question. Je me posais juste la question. Tape, je les prestige 3? Je sais plus. Je crois pas. On va faire ça, voilà. Même là dans le menu, j'ai l'impression que ça lag quoi. Mais les graphismes sont plus moches que la normale quoi. Ils sont plus moches que le plus moche que je propose de jeu quoi. Ça, c'est un problème quoi. Mais là, regardez Sadako comment elle est. Bon, alors on relance le jeu. Non, mais y a rien qui s'est ajouté en plus sur le live qui fait que ça lag. Non, mais paix. Ça fait plaisir. Je vais même pas relancer le jeu, quoi. Il a abandonné, quoi. C'est genre, non, non, jamais de la vie. Parce que 1h55 de DBD, ce n'est pas assez, madame. On fait vraiment du jeu de dernière game. C'est cool, on s'amusait bien avant. Ah là là là. Oh putain! J'ai pas raconté. Pourtant, je vous jure, hein, j'y pense tout le long du chemin. J'sais, putain, ça, je vais raconter quand je vais être en live. Parce que là, c'est une malédiction, c'est pas possible, pas autre chose. Je vous raconte. Tous les matins, quand je me lève, un truc que j'aime bien faire en ce moment. C'est, je vais me promener directement. Genre, il est 9h, voire 8h, des fois, parce que souvent, je me lève à 7h, c'est pas une blague. Et je vais me promener. J'ai un chemin et tout que je prends tranquille pour me promener. Et là, je voulais rendre le chemin plus long, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais bifurquer par le centre-ville. Je passe par le centre-ville, j'ai mes écouteurs, la musique dans mes oreilles. Le centre-ville, un énorme bordel. Des voitures partout. Genre vraiment qui roulent partout, qui font du putain de bruit et tout, de la merde auditive. Je suis putain, du coup, j'entends à peine la musique, c'est insupportable. Enfin, je suis pas côté. Moi, quand même, j'aime bien réfléchir les trucs et tout. Là, je pouvais pas du tout, c'était genre. Niveau sonore, c'était l'enfer. Pourtant, d'habitude, ça me gêne pas trop, mais là, c'était vraiment l'enfer. Du coup, je remonte par mon chemin habituel, vite fait, quoi, je coupe. Pareil, un gros bordel et tout, je passe par la grande route, là. Une grande route. Tu sais, un jour, quand même, cette vidéo, juste devant Aldi, vous voyez de quoi je parlais. Des camions et tout, enfin, des camions, des bagnoles, mais genre qui roulent à fond et tout, genre un gros. Je sais pas pourquoi il y a autant de bagnoles aujourd'hui en fait. Du coup, je suis putain, vivement que j'arrive sur mon chemin, c'est un chemin, genre c'était dans les bois quoi, il y a des rails et tout. Les rails sont abandonnés, c'est genre au milieu des. C'est pas une blague, c'est au milieu de rizières et tout, enfin, c'est trop tranquille quoi, il n'y a aucun bruit. J'arrive sur le chemin, qu'est-ce que je vois qui me passe devant? Alors, actuellement, par exemple, que le jeu se lance, en fait, vous savez pas. Qu'est-ce que je vois qui passe devant? Des mecs de l'espace vert avec des tronçonneuses. Steam n'a pas récemment pu synchroniser vos sauvegardes avec sur Steam Cloud. Vous jouez maintenant, vous risquez de pas retrouver votre progression. La perdre définitivement. Qu'est-ce que je vois qui me passe devant? Ouais, je vois les mecs avec des tronçonneuses, des tondeuses, des trucs et tout, je fais. Oh putain! Laisse tomber, je passe même par là, je vais prendre un autre chemin pour y aller. Parce que là, ils vont juste passer des coups de tondeuse doux, ça va me péter les oreilles. Du coup, je prends un autre chemin. Je vais jusqu'à l'endroit où je me prenais d'habitude. Et là, pour une raison que j'ignore, autour des rizières, il y a des débiles mentaux qui ont décidé de faire des drifts en bagnole. Et du coup, il y avait des putains de bagnoles qui driftaient. Insupportable. Je longe par les rails. Les rails, c'est genre, c'est vraiment dans les bois et tout. Les rails sont vraiment infestés. Je prendrai une photo un jour. Ils sont vraiment genre, mais juste envahis par la plante, quoi. Je passe par les rails et là, il faut qu'il y ait une putain de longue. Sur le côté, il y a un grillage qui s'étend. J'ai envie de dire au moins 300-400 mètres et je n'exagère pas. 300-400 mètres d'une grande propriété. Du début que j'arrive au grillage jusqu'au bout. Il y a un putain de chien qui compte le grillage.
me suivait en aboyant, en faisant ouh, 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 ouh. Je vous jure, c'est vrai. À la fin de la propriété, il y avait une route. Et là, les voitures sont remis à rouler comme des fils de pute. Je vous jure que j'en avais trop marre, quoi. Genre, c'est ma balade pour me promener tranquille. Il y a jamais de bruit. Et là, sur tout chemin, partout, il y a du bruit. Je l'ai pas dit, je vais passer à côté du cimetière. À côté du cimetière, il y avait un fils de pute avec une tronçonneuse. Je sais pas ce qu'il foutait. Hein. Il y avait un putain de fils de pute dans le cimetière avec une tronçonneuse qui faisait... Putain, je suis sûr qu'on avait marre. J'en pouvais plus, quoi. C'était au bout de ma vie. Qu'est-ce que je raconte que la balade du matin, il y avait du bruit, mais tout le long, mais horrible, quoi. Ah putain, j'ai pas raconté aussi, parce qu'au centre-ville, avant, il y avait un marteau-piqueur, et bien sûr, c'était devant le passage piéton, et du coup, j'ai dû attendre que le marteau-piqueur à 5 mètres de moi, pour pouvoir passer, parce que les voitures, je sais pas pourquoi, ils faisaient la guerre pour essayer de d'écraser les gens sur le passage piéton, quoi. Oh putain, je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, j'invente rien. Voilà, c'était ma journée, ma matinée, ma bad matinale un peu pourrite. J'espère que, voilà, les connards avec leur tronçonneuse au cimetière, il y en avait un, je sais pas ce qu'ils faisaient. J'imagine qu'ils bossaient, hein, mais putain, mais je suis sûr, j'en avais marre, quoi. En fait, ça aurait juste été, par exemple, le marteau-piqueur et les drifts autour des rizières. J'aurais dit, allez. Pourquoi pas? Je suis pas non plus un fils de pute qui veut absolument mon calme et ma tranquillité, quoi. Les gens, ils font leur vie, quoi. Ils ont envie de drifter autour des rizières et qu'ils doivent travailler les gens, je comprends, tu vois, c'est leur vie. Mais il y a tout le chemin, il y a pas, genre, je vous jure, il y a legit, hein, pas eu 10 mètres sans qu'il y ait du bordel. Non mais le coup du chien, je vous jure, ça m'a flingué, quoi. Il va pas quand même suivre jusqu'au bout, le chien, parce que je vois, la propriété est super longue, en fait. Et si, m'a suivi jusqu'au bout. Demain, je vais repasser. Je vais vous prendre des photos si les trucs sont encore là. Genre Bon, les drifts, je pense pas qu'ils seront encore là, par exemple. Mais les marteaux piqueurs et le chien. Je les mettrai sur le Discord. Il devait imiter Jason. Jason n'a pas de tronçonneuse. Alors, tu me diras, je suis sûr que dans un des 1000 vendredis 13, il y en a un qui tue quelqu'un avec une tronçonneuse. Il y a vraiment un site il y a vraiment un site consacré en français, hein, à tous les vendredis 13, qui t'est décrit et tout, qui donne plein d'anecdotes, machin et tout, les dates, machin et tout ça. Et dans le site, il y a vraiment un body count des victimes de Jason. Genre en mode combien tu as la machette, combien tu as avec tel objet, combien tu as avec machin. Et genre ça te dit même dans lesquels, en fait. Pour de vrai, hein. Jamais été un fan de Vendredi 13, et en vrai, je pense que je pourrais jamais le devenir. Je trouve ça sympathique, mais sans plus, Vendredi 13, en fait. C'est... Zorb. De quoi? Qui est un mec qui s'est vraiment fait chier à faire un site entier autour de Vendredi 13? Bon, en vrai, s'il est fan, il est fan, hein. Vous savez, moi, une période, quand à chaque fois que je rentrais des cours, j'allais sur silenthill.fr, un site qui est maintenant mort, vu que le jeu est mort. Bah, le site, oui. C'est la vie, mec, hein. Il y en a qui ont beaucoup trop de temps libre, qu'est-ce que tu veux? Mais vous savez, il y a des gros fans de Vendredi 13, hein. Ne sous-estimez pas les... Ouais, voilà, là, je suis enquêté dégueulasse, mais c'est moins dégueulasse, quoi. Ne sous-estimez jamais les fans de Vendredi 13. Ne sous-estimez jamais les fans des licences que vous trouvez zarb ou nulles. Je vais dire un truc, mais c'était juste gratuit et méchant. Survie. Non, mais genre les armes et tout. Non, mais il n'y avait pas que ça, hein. Je dis ça, mais il y avait d'autres trucs, hein. Après, les bodycons, c'est vraiment un délire. Il y a des chaînes YouTube entières consacrées aux bodycons, hein.
D'ailleurs, une anecdote, si vous ne savez pas, John Wick a tué plus de gens que Freddy Krueger, Michael Myers et Jason Voorhees réunis en trois films. Et ça, c'est unique. J'aime bien ce haut de David, la chemise ensanglantée. D'ailleurs, c'est pas une blague, aujourd'hui j'ai failli faire un live sur Cards. Mais une raison que j'ai pas faite et je peux pas vous dire pourquoi. Ah ouais, triste. Mais il y aura vraiment des lives sur Cards, de toute façon. De ma part. Hein. Parce que j'aime bien le jeu en vrai. Parce que je joue très peu, parce que c'est pas non plus trop mon délire, je préfère me consacrer mon temps à d'autres jeux en fait. Genre Smite ou DBD ou même. J'allais dire Pokémon Legends. C'est pas longtemps que je joue à Pokémon Legends. Pourtant, il est bien comme jeu. Je devrais un peu jouer. Je joue à quoi en ce moment à part DBD et. Smite, je joue pas trop. Bah, Pokémon Unite, tout ce que je préfère. Allez, allez. Du coup, c'est ta dernière partie, je pense. Hein. On va voir, on va voir, on va voir. C'était vraiment rapide, j'en ferai une autre. Sinon, on part sur Pokémon Unite. Juste préciser un truc, quand je vais partir sur Pokémon Unite, je vais couper live, je vais relancer directement en fait. C'est pour moi, quand je vais mettre les VOD en ligne sur YouTube, il me fasse pas chier en fait à les couper. C'est vraiment la galère. Après, c'est moins la galère de les couper que de les rassembler. Les morceaux. Allez, allez, allez. J'en profite que la partie ne se lance pas, faire un truc, pas de souci. Non mais je dis ça parce que souvent les gens ils reviennent pas en fait. Même quand ils me disent ok mec, mais ils disparaissent. Alors quand la partie va commencer, vous allez voir un truc très bizarre, je ne vais pas jouer. Genre pendant 2-3 secondes, parce que j'en profite pour régler ma cam par rapport au perk que j'ai, j'ai un add-on Twitch qui normalement vous permet de savoir avec quel perk je joue. Enfin, mais il faut d'abord qu'il les voit à l'écran en fait. Moi je vais y aller, si tu live encore, je repasserai. Bah en théorie, live Pokémon Unite va durer aussi 2 heures, donc je vais live 4 heures au total aujourd'hui. Au total aujourd'hui, je live jusqu'à bah en fait 16 heures, j'ai envie de dire. Comme hier en fait. Non, hier j'ai arrêté à 15 heures. Bon, tu lances la game là, putain? Oh putain, enfin. Alors. Je crois que c'est Nemesis, hein. Ça me sur scène Nemesis. Putain, Démogorgon, ça fait longtemps. Mais Démogorgon, c'est de moins en moins voir. Hein. Oh, c'est un Blighted, je crois. Tellement beau son skin Blighted au Nemesis. Successfully stupide, d'accord. Ça fait plaisir. Sex Playthings. J'ai pas vu son nom. Il est excellent, Quentin. Oh non, il est trop bien son nom. Sex Playthings. Playthings, c'est vraiment le nom d'une perque en fait. C'est ex Playthings. Sexe. Mais franchement, meilleur nom, je crois que je vais lui piquer l'idée un jour.
Quoi, 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 quoi. Tu vas trop vite, toi! Calme-toi! Viens là, 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 je vais te péter la gueule, viens là. Trop vite les zombies, sérieux. C'est illégal, ça. En vrai, Nemesis, je vais donner un boost, ça serait quoi? Ou un changement, genre. Bah, en vrai, bon, c'est con, mais moi, je rajouterais des zombies. Mais genre, selon les maps. Genre, les maps en bâtiment, genre Silent Hill ou Raccoon City, je laisserais deux zombies. Mais genre, les maps comme ça, ouvertes, là, je mettrais plutôt... Putain, mais dégage. En vrai, quand tu vois ça, c'est vrai que tu dis, heureusement qu'il y en a que deux. Moi, je mettrais vraiment 4 zombies, tu vois. Mais ce sont les maps, en fait, vraiment. Mais c'est tout, pour moi, après, ça va, il n'y a aucun problème. Hein. Après, les zombies, en fait, ils t'aident vraiment, quoi. Tu vois, Big Boy. Putain, je l'ai vu. Je crois qu'il me cherche. Ok. Bon. On va peut-être réussir à faire un générateur. Trop con. Sex play things. Oh non. Ce serait marrant un sort, enfin un totem béni qui fasse que, en gros, quand le tueur l'éteint, il se fait aveugler. Un peu comme la mine de Jill. Ce serait un peu rigolo, ça. Genre en mode, genre pas longtemps, mais genre en mode, tout le monde voit son aura pendant genre 2-3 secondes, quoi. Avec son bruit de radiateur, le totem, je vous jure, il me saoule. Rapide comme l'éclair. Ah, trop cool. Pourquoi j'ai eu succès? Je ne bougeais pas. J'ai un succès, vous avez vu, j'ai eu un succès rapide comme l'éclair, je ne bougeais pas. Il trouve personne. Un peu les boules. Bon, c'était pas la meilleure partie Nemesis. En même temps, je crois qu'on voit un Bladed Nemesis, ça se passe pas trop bien. Pour lui. Là, je suis un gros FDP et je l'ouvre pas trop mal.
ça qu'il y a Noed. Je pense pas. Il avait un build très méta, donc pas Noed, je pense. Ça, je prends en photo parce que les gens ils disent que les zombies se coincent jamais. Il y a littéralement aucune partie des que j'ai vue ou que j'ai faite que les zombies sont pas coincés quelque part. Quoi. En même temps, c'est le endgame et c'est logique. Si les zombies, moi j'ai pas vu. Bon, vas-y, on va lui faire plaisir. Voilà, on lui fait plaisir. Ça lui fait des points comme ça. T'as pas fait beaucoup de trucs, le mec. Mais décoince-toi, toi, là, putain! Merde, il m'a touché! Seulement tu n'avais pas parenté. Bon, je vais me vacciner. Trop bizarre de dire ça en DBD, en vrai. Oh merde. Cours, cours, cours. Faut pas que je protège apparemment. Pensez qu'il m'a vu. Putain de bâtard. Et la gardons meilleure pour la fin. Putain. Vas-y, il fait son score alors pour le coup. Je touche pas le totem. Sex Play Things, merci de me soigner. Hein. C'est tellement long à me soigner, en fait c'est grâce à ma compétence et je soigne tellement vite aussi. Je dirais pas mais juste 10% en plus c'est bien. Putain mais parenté c'est tellement le meilleur truc. T'as mec, seulement le cerveau se décale juste un peu de l'autre côté. Mais quoi, quoi? J'étais dessus. Non, c'est faux, j'étais pas dessus. Mais je suis mauvaise foi. Mais putain! Là, par contre, j'étais dessus. Ouais, moi j'aurais tellement insulté, ça aurait été moi qui... Ah, t'as vu qui aurait fait ça à moi. Je crois qu'il est vraiment... Ok, big boy. Qui va laisser se barrer en plus. Si un mec apparaît, c'est que il a loupé son objectif. Oh, c'est arrêt sur image.
Il est parfait. Waouh, putain, le mec, le matchmaking que tu t'es mangé, ça va? Tu veux en parler? Intervention impure. Ouais, pas dégueulasse. En vrai, il a eu des bonnes perks. Ça, bon, ça, c'est moi, encore une fois, mais je sais que je vous reconnais que c'est vrai. Re, Nikodou. Bon! Ok. On passe sur Unite maintenant, ou on fait une dernière partie? On part sur Unite maintenant. J'ai décidé. On se fait chier à lancer des BD juste pour ça. Arrête la partie, c'est drôle. Oui, il y a beaucoup de Nemesis, je sais pas pourquoi. Ce qui est pas vraiment 14h, j'ai dit 14h en fait. Mais le problème, c'est que là, le temps qu'on lance une game et tout, le temps qu'elle se lance, il sera 14h passé en fait. Ce sera 14h2-3 quoi. Venez, on regarde les skins qui sont beaux ou pas. Alors, est-ce qu'on en parle du skin de Sadako? Qui existe dans le film d'ailleurs. C'est pas un truc complètement inventé hein. dans le film quand il la repêche, elle est vraiment comme ça. Quand il la sort du puits. L'artiste franchement pour moi c'est un concept d'avoir des skins tellement stylés, pourtant on l'a très peu. Son skin Amazon Prime, il était sublime hein. En vrai franchement. Lui, il fait trop hiver en fait. Il est pas dans le ton du personnage, juste j'aime bien en vrai. Je le trouve vraiment magnifique pour le coup. Mais les skins Amazon Prime ont toujours été très beaux, même ceux de The Blight. Hein. Il y a juste ceux actuellement de Jay que je trouve moche. Putain, The Chatterer, quoi. Le clown, il va avoir un skin. Oh là 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 là. Non, mec, prépare ton Pokémon Unite. Hein. Ouais, il y a un skin là, ouais, c'est ça, le Blighted que je parlais. Il est vraiment beau. Hein. En vrai, je vais avoir un skin Blighted, je sais pas si ce serait lui par contre. Je pense que oui. De tous, hein, je dis bien. Bah, en fait, j'hésiterais entre lui, cette pyramide, celle du spectre. Parce que pour moi, le plus beau, c'est legit, celle du spectre. Le problème, c'est que le spectre. Je joue pas. Le Sam le ferait, je vais pour le coup. Oh, il est beau, lui, en vrai. Ouais, c'est pyramidal. C'est bien l'idée que. Son couteau a une seringue plantée dedans aussi, quoi. C'est vrai que Pyramide est considéré comme un tueur grand, alors qu'en vrai, il fait 1m70, un truc comme ça, je crois. Il y a un délire comme ça. Hein. Il y a ça. Vous pouvez trouver la taille de Pyramide, mais genre, en imaginant qu'il y avait une tête normale. Parce que oui, si on comptait la pyramide, 1m70, évidemment, la pyramide est bien plus grand. Alors comment on le sait? Parce qu'en fait on sait, c'est pas un secret, hein, c'est connu de tous les fans de Silent Hill, le modèle de pyramide est basé sur celui de James Sunderland. Et on sait que James Sunderland fait entre 1m70 et je sais plus combien. Et du coup, bah on sait qu'ils font la même taille, en fait. Et ce qui est logique dans l'or, étant donné que pyramide est, entre guillemets, l'invocation de James Sunderland, la création. C'est vrai qu'il y a du barbelé avec des lames de rasoir coincées dedans, quoi. L'horreur plus. Oh, j'aime bien ce skin. Lui aussi, il est pas mal. Je vois jamais celui-là. Dans l'époque, je me rappelle, j'avais failli l'acheter avec une carte Steam. Et à la place, j'ai préféré me prendre un skin pour Izar. Mais j'ai failli le prendre, lui. Je trouve vraiment très très beau. Les gens, ils préfèrent lui, généralement, aussi. Skin Boogeyman. Elle a quoi comme skin? Un skin, je crois qu'il y a... Ouais, voilà. Mon problème avec ce skin là, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est que la tête de cochon est beaucoup trop grande, alors que la tenue se veut plus mince quoi. Si j'avais fait une tête comme ça, ça aurait été ok quoi. Lui il est trop. Je vois jamais lui. Hein. En plus, on dirait qu'il apporte des couches. Pardon. C'est la vérité. Merde, désolé.
Alors que lui, on voit juste lui, juste que son pantalon, tu vois bien qu'il est trop grand, quoi. On dirait juste que le pantalon il tombe. À chaque fois, j'ai envie de lui passer une ceinture quand je la vois comme ça. Par contre, je vais ce skin est vraiment trop beau. Ah, je sais pas qui c'est. Allô? Ah oui. Ah oui, bien et vous? Oui, j'en ai un pour lundi. Ah oui, sinon, vous voulez dire des contrats que j'ai fait en plus? Bien sûr. Si j'apporte ça demain à mission locale, c'est bon? Ok. Ouais, lundi, bah normalement toute la semaine, j'imagine. Ah oui. Oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, y a pas de problème. Demain, ouais, je passerai demain, je montrerai ça. Merci à vous. Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci à vous. Puis du coup, bah, à demain. Bonne journée à vous aussi. Pôle emploi qui m'appelle. Pour savoir si j'ai des contrats à leur donner. Bien sûr, j'ai plein de contrats à vous donner. C'est bien quand Pôle emploi. Ah, là, c'était mission locale. Pas Pôle emploi, excusez-moi. Putain, je connaissais pas ce skin. Enfin, je connaissais pas. J'avais oublié ce skin, il est vachement beau en fait. Hein. Moi, je joue pas à l'harpie encore une fois. Bah, l'harpie, je la joue pas parce que j'ai pas envie de la jouer. Hein, mais sinon, je la trouve bien comme. Oh putain, il est horrible, je crois, il y a des poils et tout. Ouais, c'est ça, il y a des poils. Tu sais pas pourquoi il y a des poils. Genre, mutation, j'ai des poils. Trapper, je crois, même déjà à l'époque quand ils étaient sortis, parce que c'était un événement Halloween, j'ai pas trop aimé. Ouais, il est trop basique, je trouve. Spectre, il est magnifique. Spectre, en vrai, c'est le plus beau. Hein. Sans débat. Billy, je sais plus. Ah, Billy, ça va en vrai. Hein. Oh putain, ce skin il est horrible, mais horriblement bien. Attendez deux secondes, je vais m'inquiéter plus. Pour vous voyez à quel point c'est horriblement bien. Il est tellement dégueulasse ce skin. C'est un épouvantail en fait, mais de chair. En vrai, j'aurais été un main Billy, enfin juste un genre Billy, je l'aurais pris ce skin. Genre pour de vrai. Le docteur, il est pas mal aussi, hein, j'avoue. Le docteur, il est génial, hein, en fait. En vrai, le docteur, un des meilleurs skins Blighted. Hein, c'est vraiment... C'est quoi ton préféré, toi, l'unique Lodou? Infirmière, j'aime pas trop, je crois. Elle est juste gonflée de partout, il me semble. Ouais, c'est ça, elle est gonflée de partout. Bah, elle fait très Silent Hill, pour le coup, hein. Quoi ça, c'est des champignons? En vrai ça va. Dans mes souvenirs c'était vraiment pire. Nouveau Légion, ouais. Ah oui mais c'est pas vraiment. Oui c'est un skin de chat je crois. Et voilà. Pour avoir un flow infini. Camaros me dit que ce skin était dégueulasse. Oh putain, en vrai je trouve un peu. Alors apparemment ce skin là vous donne une voix de robot. Quelqu'un m'a dit ça. Voilà. Vous le savez maintenant. Il est pas mal lui en vrai.
Je l'ai très peu vu, mais il est vraiment pas mal. Côté légion et tout, et en plus c'est bien retranscrit du coup. L'épidémie, elle en a... Ah ouais, l'épidémie... Alors l'épidémie, c'est marrant parce que elle a l'air ultra propre sur son skin Blighted en fait. Genre, votre pack a fait genre mieux quoi. Ah, j'ai pas rangé rien, j'ai pas vu le corps, j'ai juste son visage. Non, mais t'allais horrible. Non, ouais, vous voulez un skin où Plague elle a l'air normale, c'est le skin de la faille qu'il y avait eu il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques temps. Démogorgon, on n'a pas, c'est trop dommage. Vous savez qu'apparemment, Démogorgon, il allait avoir un skin Blighted en plus. Avant son annulation. Et que ça fait trop chier, du coup. Oni, il en a pas, je crois. Ouais, il en a pas, trop bizarre. Putain, il mérite tellement d'en avoir un. De toute façon, tous les nouveaux Halloween, il y a des nouveaux skins Blighted. Je suis toujours fou amoureux. C'est vrai que j'ai curieux de voir, c'est les jumeaux. Le Trickster et le Oni, du coup. Dazzlinger aussi un peu curieux en vrai. Parce que je vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils feront pour ces personnages-là. L'artiste, je vois un peu l'idée de ce qu'ils vont faire. Cenobit, j'aimerais trop voir ça aussi. Skin Blighted. Démogorgon. Démogorgon, ça aurait été trop bien en plus. Ça aurait été trop RP vu que. Bon, quoi, après, j'ai pas écouté. Ton skin Blight, ou ton skin tout court. Quand je dis skin Blight, c'est les skins Halloween, hein. C'est les skins. Comme ça. Ils sont beaux ces skins de trappeurs. Hein. Je crois que le premier skin de trappeur à être sorti. Ah, je sais pas. C'est lui là, Kratos BDSM. Tellement laid ce skin. Tellement laid, mais grave abouti. Hein. Il y a vraiment de la recherche. Le Kratos BDSM. C'est quoi ça? Ah, c'est son skin de la première faille, ça, je crois. Il est pas mal en vrai, il fait un peu Mad Max, mais il est pas mal. Il y a un vrai skin Mad Max, je crois. Oui, voilà, c'est lui. Il est tellement beau ce skin. En rouge, je préfère, mais. Ouais, en rouge comme ça là. Tellement stylé. C'est quoi les skins de Fléau? Fléau. Ah, tu veux dire skin de Fléau Ah, les skins du Fléau ou les skins Fléau? Parce que les skins Fléau, c'est des skins assez. Ok, seringue dans le corps là. Du Fléau. Est-ce que tu joues Fléau, toi? En vrai, gros respect au joueur Fléau, hein, parce que c'est un trop aventure, il y a trop peu de gens qui jouent, je trouve, par rapport à ce que c'est. Lui, je l'aime bien, en vrai. Après, ce que je trouve dommage avec son skin, et j'en ai vu pas mal aussi le penser, donc... Je suis pas le seul, du coup, à le penser. Par rapport à des milliards d'autres choses. C'est que, en fait, le problème, c'est que ces seringues restent des seringues, et du coup, ça fait pas du tout. Bah, en fait, le délire, c'est que c'est cette charron, là. Vous savez, le mec des enfers qui te fait passer... Vous donnez une pièce, dans la mythologie grecque, vous lui donnez une pièce et il te fait passer. Non, j'ai pas, mais j'adore son design. Mais il est trop bien, en vrai. Vraiment, c'est un des meilleurs, tu vois. Moi, en vrai, un des plus beaux skins de Blight. En vrai, son plus beau, c'était skin Amazon Prime. Mais il l'est plus, maintenant. Peut-être qu'un jour, ils les remettront, ces skins-là, mais... En vrai, pour moi, son plus beau skin à Blight... Je crois que c'est lui. Le fait qu'il ait le bras complètement muté comme ça, avec des sangles et tout pour se piquer, qu'il ait vraiment des trous et tout dans la peau avec des trucs qui ressortent et tout. Les petites seringues là dans le dos et tout ça. En fait, le fait qu'il ait l'air un peu plus normal qu'il l'est actuellement, j'adore. Pas fan. Je peux comprendre. Mais il fait plus de mal, du coup ça le rend plus gros que sinon c'est lui, hein, bien sûr. Lui est trop beau ce skin. Encore une fois, dommage les seringues. Hein. C'est quoi le sixième? Le sixième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En skin basique, c'est un recolor. C'est un recolor. Je suis pas trop fan de ces recolors. Les recolors qui passent bien, c'est de l'artiste et de Plague. Plague, est-ce qu'elle fait vraiment morte vivante pour le coup? Après, Plague, j'ai déjà beaucoup de skins avec elle, hein, mais que j'ai eu gratos en plus. Hein. Ouais, les recolors de plaques sont jolis, genre celui-là, là. Il est trop beau, quoi. J'avais vraiment une morte vivante, quoi. J'avais vraiment une momie. Je rappelle que c'est une momie, Plague, elle est morte. Hein. C'est un cadavre sur pattes. Hein. J'ai lancé Unite, j'arrive, mec. C'est vrai qu'excusez-moi. Regarde ses cheveux châtains. Lui, il est abominable. Il y a des vers partout qu'il la mange, je crois, c'est ça. Hein. Oui, voilà, regardez.
des petits vermisseaux qui la bouffent de partout. Il est immonde. J'adore. C'est genre un skin prêtre des dieux anciens, quoi. Trop cool. Regardez, elle a des trous dans la peau, là, celui-là. Il est génial, en vrai. Tu joues sur Unite, déjà, Unicodou? Enfin, en ce moment, surtout. Parce que vous changez de temps en temps, ça. Mais d'ailleurs, s'il n'y a pas de skin blighted, ça m'étonne. Pig aussi, d'ailleurs. Oh, je vais pas montrer mes skins magnifiques. Parce que moi, sur Plague... J'ai celui-là, du coup. La dernière faille. Et lui. De l'avant-dernière faille. Mais à Faroul. Et j'aime bien ce skin-là, c'est genre vraiment... Genre, elle a l'air un peu sain, quoi. Juste son bras qui est malade. Et un peu son corps, mais genre le reste, elle a l'air vraiment très sain. Et un petit détail que j'aime bien, bon, faut zoomer pour le voir, en fait, c'est qu'elle a de la gerbe qui dégouline de sa bouche. Tout et n'importe quoi. Ok. En ce moment, je m'entraîne avec du Duralugon. Tiens, juste comme ça. Trickstar, j'en ai un, je crois. Oui, j'en ai un. De la dernière faille, pour le coup. Où il est roux. Pourquoi ça me fait rire? Si, je sais pourquoi ça me fait rire. Mais ça me fait rire parce que c'est con. Je suis roux. Je vais acheter Exagite. Exagite, j'ai testé, je serais trop technique à jouer. Vraiment pas pour moi. J'adore le Pokémon, mais alors vraiment pas pour moi, son style de gameplay. J'ai quoi avec elle? Bah ouais, j'ai aucun skin selon eux, mais en vrai j'ai celui-là quoi. Parce que j'aime pas l'épée en fait, c'est ça que j'ai pas débloqué. Il ressemble à quoi déjà l'épée de celui-là? Je sais pas quoi il ressemble l'épée de celui-là. Il est un peu beau en vrai, le manche tout comme ça là. J'aime beaucoup. En vrai je pense que je le débloquerai lui. Alors, j'ai presque les ongles aussi longs qu'elle, hein. C'est pas une blague. Juste pour leur style. Après, il est pas nul, hein, attention. Je trouve vraiment fort, mais alors il faut trop technique à jouer pour moi. Bon, alors, ne vous sauvez pas. Je vais couper le live et le relancer. Ok? Avant, cette game, Pokémon Unite. Set title. Non, je mets la musique aussi. Je me sauve. À chaque fois, il y a des gens qui reviennent pas, donc ça que je te dis en fait. C'est un peu triste que du coup ça donne pas envie de changer de jeu en fait. Ça donne pas envie de faire plein de trucs plein de trucs différents. Set title. Attends, c'est combien de live Pokémon Unite? Quelqu'un sait? Si vous savez, en vrai, vous êtes un peu DBG. Je pense pas que vous le sachiez. Je crois que c'est le 32ème. Vérifie, hein. Non, c'est pas ça, mec. Oui, c'est le 32ème, c'est ça. Je vais laisser bravo vous. Genre, je vais laisser. Non, Ah bah, c'était bravo, vous êtes perdu. C'était... Alors, le titre du live, au début, j'avais marqué si vous êtes ici, si vous êtes sur ce live, bravo, vous êtes perdu. Et finalement, j'ai juste mis alors, on s'est perdu. Je vais le laisser, ça me fait marrer. 32ème. Il y a donc officiellement eu plus de live à partir d'aujourd'hui, hein. Il y a eu plus de live Pokémon Unite que de Pokémon Bouclier. Hein. Vous voyez ça comme vous voulez. Ok, je vais couper le live dans 3 secondes. 3, 2, 1.